So on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. Sauf so si vous voulez des lunettes, mm. des vraies lunettes, composez le 514 802 2222 et prenez votre rendez-vous. boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale.

You already know what it is, man. Vous savez déjà comment qu'on fait chaque semaine au podcast, man. Des gros invités. Cette semaine, bro, you beaucoup de slash. On a un auteur, compositeur, rapper, Tell. producer, okay. musician, plus encore. Dis-le. Chansonnier. Yeah. pas là, right? Um, Quelqu'un qui est en train de faire sa marque dans la game. Euh, Quelqu'un qui fait sa marque aussi sur les palmarès québécois. Dealer. Il vient drop son projet Rap Cap Volume 1. Allez écouter seul et unique Jay Scott dans la maison. Point, 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 Merci Yo. de l'invitation, les gars. Yo, ça fait, ça, plaisir, fait, ça fait plaisir de te recevoir, man. T'es es, es quand même en train de faire du bruit. On voit ton nom depuis quand même la dernière année beaucoup. Euh, ça fait plaisir de t de venir t'asseoir avec nous au podcast. Puis, euh, yo, nous, c'est ça, man. On, on aime recevoir tout le monde qui, qui, qui font des moves dans la game. Même tu es un peu un incontournable en ce moment, surtout être copilote, tout ça. We're going to get into all that. <laughs> euh, mais pourquoi faire un album acoustique de remake de chansons euh, québécoises, rap québécoises? Euh, ben, moi, là, ça fait vraiment longtemps que je fais ça sur ma chaîne YouTube. au départ, ouais, comme je le faisais ouais. depuis déjà vraiment longtemps. Puis, euh, ça a toujours été comme un objectif pour moi de faire ça, tu sais. Mais euh, avant, j'étais indépendant, puis je faisais tout par moi-même. Fait que c'était plus difficile de pouvoir okay, accomplir ce genre de trucs là tu sais. Même quand tu les faisais, tu étais comme, dans ta tête, tu étais comme, ah, ça serait cool que je fasse un album. Ouais, là, de hein? faire un tape de reprise, oui, oui. tu sais. J'étais comme, personne n'a en fait. Tu sais, jamais j'avais entendu parler de ça. Il y a souvent du monde qui sortait des albums de, 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 de reprises, de chansons, mais c'était jamais du rap, là. For real. Puis, les textes de rap, j'ai toujours trouvé que c'était des textes incroyables. Fait que j'étais mm. comme, man, je suis capable de venir comme. Comme tu sais euh, Merge, tout ensemble, merge les univers, tu sais. Puis après ça, quand j'ai signé avec 117, qui est une filière de 7e ciel, là j'étais rendu avec l'équipe parfaite pour pouvoir comme, faire un vrai album ouais. avec okay. des vraies reprises de rap Keb. T'sais. Ok, puis as commencé à quelle époque à faire du, des reprises de rap? Tu as commencé avec Mosaïen, as commencé, je sais pas. Euh, pas? Je pense ma première, ouais, ça a été ça. Beaucoup des anticipateurs ouais. comme en 2012, peut-être. Après ça, euh... Shit, quand même, hein? Yo, même 2012. avant, je pense, j'avais fait une chanson de, de LLE, mais c'était sur Facebook. J'avais même pas encore, comme, tu sais, je mettais pas encore sur YouTube. Okay. je faisais juste faire des petits, des petits covers sur mon Facebook personnel. Puis, euh, je me rappelle, j'avais un shout de, de Larry Kidd à l'époque, comme quand j'avais mis oh. le, le petit vidéo. J'étais comme, oh, OK, ça, c'est nice. Puis là, après ça, j'ai fait, euh, j'en ai fait de la claire. Euh, c'est ça, j'ai comme toujours fait un peu ça une fois de temps en temps. Ouais. Ça donne un autre flavor aussi aux chansons parce que c'est pas comme si tu les rejoues exactement ou whatever. C'est tu sais ce que je veux dire quand je trouve que c'est dope. Ça donne comme une deuxième vie. Euh, puis j'ai vu Casey, euh, je pense Casey à la le Repost. Où... Ils vont crever. Ils vont okay. crever un Ripple son... Ici aussi, je pense, bro. Ah, je ne l'ai pas vu, mais va, Charlotte, mais... en tout cas, moi... Euh... En tout cas, je pense que j'ai vu ça, puis euh, je trouvais ça dope de voir comme que les gars, ils étaient... ont bien réagi à ça, tu comme j'imagine que tout le monde était down avec ça. Ben, man, j'ai tellement reçu plein d'amour, de, de genre de légende la dernière fois. C'était quoi le... C'était le show euh, de, de Corey, là, au, euh au, au francopholies puis je vois M. -Pos pour la première fois de ma vie. Là, puis tout de suite, il est comme Yo, man, incroyable ce que tu fait et le respect oh, que tu as ouais. mis sur, les, sur les, les paroles de rap. Là, parce que souvent, je pense les gens, ils se, laissent, ils se laissent avoir par tout ce qui est le, le crémage autour du rap. T'sais. Comme moi, mm -hmm. ma grand-mère, elle n'aura jamais écouté une toune de Lost. Là, parce que dans sa tête, c'est comme ça, ça représente quelque chose qu'elle ne connaît pas. Mais d'aller la jouer avec le texte différemment, puis de l'amener dans un contexte que peut-être plus de gens peuvent connecter, ça met de l'emphase mm -hmm. sur les textes que je trouve complètement malade. 100 ça devient plus accessible aux gens qui, qui peut-être, qui regarderaient même pas dans cette ouais, direction. Ah ce de ouais, c'était ça, d'écouter du real, man. <laughs> Et tout, c'était quand même... Fait, euh, comment t'as fait ta sélection, en fait? Euh, c'est assez funky, ça. Souvent, comme tu sais, je m'assoyais le soir devant, devant mon ordi, j'allais comme écouter des, des vieux trucs que j'écoutais dans le temps. Puis souvent, ce, que, ce qui arrivait aussi, c'est que je prenais le texte avant de vraiment bien assimiler la chanson. Fait que là, je sortais ma guide, j'avais le texte devant moi, puis j'essayais de le flip. En chansons acoustiques. Tu sais. Des fois, ça marchait. Il y a plein de chansons que j'ai essayées. Il y en a d'autres qui ont, qui ont moins fonctionné. Mais je réussissais toujours quand même à le pogner assez, assez quick. Là. Fait que ouais, c'est ça, c'est le même. Mais toujours commencer avec le texte en premier. Puis là, ensuite, j'allais réécouter les chansons puis voir comme tu sais, les moments forts tu sais, d'un track. Puis j'essayais de ramener ça comme un peu dans le cover. Ouais. Mais sans avoir trop la chanson en tête. C'est fou, man. Il y a un gars qui fait ça, je pense, aussi, aux States, euh, Brady Watt. Je sais pas si tu as déjà vu ce gars-là. Oh. Il y a un petit ukulele, puis il joue avec des rappers. Ah ouais, j'ai vu ça passer. Il les suit dans la rue. De même, il fait des riffs, les rappers, ils rappent. C'est comme ça, ça a été viral, mais comme toi, tu fais ça, ça fait 10 ans, genre. Ouais, mais tu sais, lui, il fait avec le rapper. tu sais. Ouais, non, mais tu sais, c'est le même. En tout cas, moi, je trouvais ça quand même similaire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Richard Cheese. Tu connais ça, ce gars-là, Richard Cheese C'est qui Yo, ça, c'est un gars qui fait genre de la musique, genre jazz, big band. Mais genre, il va faire euh, ma neck, ma backlick, ma Pussy ». Toutes les chansons les plus vulgaires de rap, il va les flip remix en genre <laughs> jazz. Genre. Ouais, c'est crazy. Anyway, ça me faisait penser à qu ce qu'il a fait avec, euh, avec <laughs> cet album-là. Puis les reprises, est-ce que tu as commencé à en, en faire pour du rap Est-ce qu'avant de faire des reprises de rap, tu en faisais peut-être pour du rock Qu'est-ce qui t'a décidé de faire des reprises, disons Est-ce que tu as écrit déjà des chansons avant Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, disons. Ben, je dirais, tu sais, mettons, n'importe qui qui joue un peu de guitare, Jou jouez-vous de la guitare euh, acoustique, whatever? Non. Tu sais, t'apprends des tunes comme Veux, Veux, pas, tu sais, t'apprends des chansons qui, au début, tu sais, t'as le goût d'apprendre la guitare, mais t'as le goût d'apprendre la guitare parce que t'as entendu des tunes qui en avait dedans, tu sais. Fait que ça a commencé de même que Veux, Veux, pas, je pense que tout le monde qui joue de la guitare apprend des covers éventuellement. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment comme, tu créer une chanson là, au final. puis ça, je trouve que qu'est-ce qui est intéressant dans, dans re, faire des reprises une fois de temps en temps même avec le rap, c'est que des fois je comme je t'en manque d'inspiration chez nous là, puis je sais pas quoi dire, je sais pas ouais. quoi écrire, que là j'ai déjà un texte. C'est une bonne façon de comme get it. going ». Exactement, c'est ça. Okay. Fait que là tu repars là-dedans, puis là, là tu peux te laisser inspirer par les textes des autres. Oui, exact. Fait que Il y a la limite est quand même assez floue là, entre faire du rap, pas faire du rap aujourd'hui. Tu sais avec les textes, avec euh, moindrement un 4-4. Donc est-ce que tu Est-ce que tu avais peut-être ce complexe, parce que tu, sais, tu dis je suis pas un rappeur, oui j'étais un rappeur, mais de la manière que tu speeds, que tu racontes as ton T'as commencé dans le rap, C'est ça. ça. Oui, PL, PL3 dans la maison ouais. aujourd'hui. <laughs> oui, c'est vrai. <laughs> Puis euh, tu vois, man, ça c'est vraiment euh, je me rappelle pas à quelle année exactement c'est sorti, mais l'album 4,99 dans la cloche. Okay. Oui. Comme moi, là, j'étais vraiment dans ce temps-là dans un impasse de comme je faisais du rap. Mais je trouvais que la boîte était trop comme euh, serrée. T'sais. On ne pouvait pas sortir de, de ces contextes-là et aller ailleurs. Pis quand j'ai entendu 4,99 la première fois, j'ai fait, oh shit, man. Je peux sortir de ça. Ça va rester du rap, comme dans, dans l'écriture ou whatever. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de limite imposée. T'sais. Fait que ouais, je pense que c'est là que vraiment j'ai commencé à comme, euh, plus sortir de cette boîte-là. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est-tu du rap, cest tu pas du rap? Rendu là, on dirait que je m'en fous, je fais, fais de la musique. Pis, euh, à la fin, il faut juste que tu fais qu ce qui te passionne, man. Moi, ouais. moi, à la fin. T'sais, dans ma tête je te connais pas comme ça c'est la première fois que je te rencontre mais tu viens de ça you know what I mean like ça tu as commencé en écrivant des bars puis des, des affaires comme ça fait whatever que tu finis par faire ça dérange pas es quand même un how can I say this a product of hip hop I guess puis tu sais j'imagine d'autres influences aussi mais pour moi c'est ce côté là que je connais puis c'est ce côté là que, que j'apprécie même quand j'écoute tes chansons je vais faire attention au texte puis on dirait on dirait que ça ça vient d'un MC c'est ce que je veux dire fait que c'est dope à voir, man. Moi J'aime bien les vibes de. de, de... Tu sais, ça me fait penser un peu à Clef. T'as vu? Ouais, mm -hmm. Clef Jean, c'est un artiste unique dans le rap. Il chante, il sort sa guitare, il fait ses vibes, but it's still hip-hop. You know what I mean? Comme en tout cas. Est-ce que tu as commencé en faisant de, en jouant des instruments ou en écrivant? C'est quoi qui a été en, dans la musique? Que... Instrument en premier, quand mm -hmm. j'avais 17 ans, j'ai appris à jouer de la guitare. Puis euh, j'ai appris à jouer de la guitare. À l'envers. À l'envers, ouais. Yeah, yeah. okay. C'est quoi ça, à l'envers? <laughs> je sais même pas comment que ça veut dire. C'est que genre. mettons, là, tu sais, une vraie guitare, quelqu'un euh, qui joue dans le bon sens, la grosse corde est en haut, puis ça descend oh. jusqu'à la petite corde. Ouais. Moi, ouais. moi je joue avec une oh, guitare shit. droitière, mais je suis gaucher, fait comme je la flippe de bord, fait ma grosse corde est en bas. Fait que ça, il y a juste, mettons, du monde qui joue de la guide comme tu sais, qui peut vraiment relate à ça, là. Puis à chaque fois que je fais un show, il y a toujours un gars un peu pacté en avant. Euh, « Hey, big, tu joues à l'envers. <laughs> »« Oh, man, ça va trop fucked up, ce que tu fais. » Fait que, ouais, c'est ça, j'ai appris de même, mais euh, ça a commencé vraiment euh, à jouer la musique en premier. Puis je me rappelle, man, c'est comme, ouais, 17 ans, j'écris ma première chanson en anglais, puis comme dégueulasse. Ah, en anglais? Ouais, une comme une première chanson, chanson écrite en anglais, euh, ouais, tu sais, une petite chanson d'amour qui est je joue ça à mon ami, man, au, au loading Dock. C'était derrière le, le bureau de poste. Il y avait une place qu'on allait faire du skate là-bas. J'apporte ma guide, j'ai joué ça, puis il fait comme Yo, t'es capable de chanter, man. T'es capable, comme tu sais, d'écrire de des shit. J'étais comme Oh, puis à partir de ce moment-là, man, j'ai continué. Hein. Ok, moi, moi c'est une que C'est-tu hein, ouais, vrai, vrai que t'as que... commencé à rapper quand que quelqu'un t'avait fait entendre une chanson de rap local, pis de comme « Yo, ça, c'est pourri, man. Exact. Enfin, Yeah. Vrai, ouais, ça. je faisais pas de rap dans ce temps-là. Là mon ami il, il se pointe chez nous, il me fait entendre des, il me fait entendre des trucs, puis je suis comme "Yo, on ajoute un mic man puis comme on va prendre comment ça marche, puis ah, On ouais. va être capable de faire ça. Ouais. <laughs> moi, dans le Patreon, on veut savoir c'est qui ça. Ouais. <laughs> Restez connectés au Patreon. Charlotte à tout le monde sur le Patreon. On va dévoiler c'est qui qui a Ça coupé. reste que, je veux juste dire en vieillissant, peu importe c'est qui, là, moi je respecte le grind de tout le monde. N'importe qui, qui qui travaille, peu importe la musique, si je l'aime mm -hmm. ou pas. Ben oui, non, mais... Je respecte l'artiste, les gens man, les qui travaillent tellement fort man, dans ce milieu-là. Ça pas de fucking bon sens. Fait que, ouais, C'est ça. Fait que je demande à, à Noël un micro. Ma mère, elle m'achète un micro, man. un gold mm -hmm. NT1A que je mets dans mon garde-robe, puis là j'ai un vieux ordi, j'apprends à faire des prods sur Fruity Loop. Puis là je jouais avec mon ami il mène dans ma chambre. Là. Comment t'as appris YouTube. Yo, toi c'est vraiment ça le thème, genre on dirait à travers euh, toutes tes affaires, c'est que tu as tout appris par toi-même. Ben moi j'ai essayé l'école là, OK là, puis comme j'ai réalisé avec le temps que C'est parce que l'école on m'imposait à prendre des affaires, tu sais que je voulais pas apprendre. Mais à la seconde que j'ai catché YouTube, les tutoriels puis de pouvoir apprendre des trucs que moi ça me tentait, yo, là j'ai j'ai tout appris. Là. « How to record myself. » Exactement. « How to make rap. Yeah. »« What's the, what's oh the shit, best for mic? »« Oh, okay, whoa, whoa, uh, Jay Scott, we can't go there. Like, how to make rap? » Ça m'est naturel, j'ai come on! <laughs> <laughs> mais c'est fou parce que, tu sais, « how to mix, how to play instruments », tu peux tout apprendre. Puis, tu sais, c'est que c'est disponible à tout le monde, mais pas beaucoup de monde c'est to it. Là, là. Comment ce que aussi. je veux dire? Je pense que c'est ça. Ouais, mais je pense que si tu veux vraiment apprendre, maintenant, je trouve que la musique est démocratique. Comme les meilleurs vont sortir du lot au final, puis les plus travaillants, ouais. je pense que tu peux avoir un bon hit, puis comme ça, ça va bien fonctionner, mais de garder le, le hype, je pense que c'est plus tough que de faire une fucking box. donc d'où ça vient, ça, cette discipline-là Tu as toujours été quelqu'un qui. Mais moi, là, comme dans le temps, là, je me rappelle, j'étais dans un party avec du monde, puis j'étais comme quand ça, je suis pas en train d'apprendre des shit sur mon ordi en ce moment, puis à la place, ah, je suis en train ouais. de boire de la bière avec <laughs> du monde qui m'apporteront rien. <laughs> Désolé. Ok, ben shout-out à tout le monde au party, <laughs> là, je veux dire, yeah. it was fun. Ben ouais, c'est ça, j'ai toujours eu ce genre de, de vibe-là, tu sais, de, je sais pas pourquoi, man, comme quand je suis pas en train de faire de la musique ou de quoi que, qui relate à ça, je suis comme, ok, ça, qu'est-ce que ah, je fais? c'est intéressant, ça, man. Vite fait, t'as grandi dans quel coin? Rive-Nord de Montréal, moi, Terrebonne. Ok. Shout-out ouais. à tout, tout le monde de Terrebonne, you already know. Ouais, exact, moi, Born and Raised, je vais rester là. Euh, Terrebonne mascouche. Y a t un beef en Terrebonne mascouche ou on est c'est good c est, c est, Y en a pas, mais c'est plus nice Terrebonne. Là, ok, t'sais. ok. <rire> <rire> puis. Donc toi, t'étais à Terrebonne puis t'apprenais à connaître le rap keb, euh, la scène montréalaise. Ouais, en, en étant à Terrebonne. Ouais, à... straight up, avec YouTube. Tu sais, moi, euh, à l'époque, euh, réseau urbain, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Yeah, shit, ouais. et yeah, Pop Franco, moi j'étais là-dessus, man, puis je mettais mes tracks là-dessus, puis là, tu sais, je parlais sur le chat. Il Y avait Johnny Crying sur le chat qui commençait, la belle époque. Euh, okay. Shout out. Shout out Johnny Crying. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je me suis tenu sur les forums beaucoup, là, comme euh, à, à comme checker les battles aussi. À année je suis comme tombé dans les battle rap aussi. J'ai fait une coupe de. Ouais, c'est ça. J'ai oh. vu que t'as fait des word ouais. up aussi. j'ai ouais, fait une coupe de word up. T'as aimé ton expérience mmh. <rire> <rire> je sais pas, oui. Non, non, mais c'est pas vrai. J'ai adoré l'expérience. Je trouve juste que c'était beaucoup de travail pour peu au final, de comme, tu sais, ouais. écrire un mois et demi sur quelqu'un que je connais pas, sais ça sera pas mon ami, là. Fait que, mais ça m'a amené par contre à. Comme tu sais, plus penser à des punchlines aussi, je pense que. C'était-tu des premiers steps, disons, dans la scène rap, ça, quand t'es arrivé dans les Word Up? Euh, t'avais déjà sorti de la musique, puis tout. J'avais fait un concours de rap qui s'appelait Rap Academy. OK, ouais. Avant ça. Puis ça, c'est ça qui m'a apporté la discipline, là, parce qu'il fallait faire une chanson, puis un clip en deux semaines. Oh shit, OK, quand que, même. Sur des thèmes imposés, tu sais. je pense que c'était 32 rappeurs de... qui rappent en français. Fait qu'il y avait du monde d'Europe, il y avait du monde d'ici. Puis euh, j'ai gagné le fucking concours, ben. Ah ouais? Okay. ouais. C'est en quelle année, ça? 2014, peut-être, je pense. OK. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai tout laissé mon stock sur YouTube. Là. Fait que c'est n'importe qui qui veut comme aller dig de où ce que je pars, là. Il y a des trucs vraiment cringe de moi. Euh, dans <laughs> le temps, non, mais c'est dope qu'on qu voit ton YouTube channel puis how far it goes, parce que c'est comme... Je sais pas, man, c'est comme ça que je pense on, que le fanbase s'attache à toi, dans le fond. Tu sais ce que je veux dire? Ils ont vu ton journey. T'sais. Mais je pense aussi que c'est important que justement, c'est ça. Tu, si, mettons, tu pars de mon premier vidéo sur ma chaîne, puis tu montes au dernier, tu catches la musique que je fais aujourd'hui. Tout un lien qui a amené là, c'était dégueulasse ce que je faisais, mais je ah, travaillais à faire les, les ce que je faisais. Les instrus, étaient pas paires, man. Ça faisait la job, ouais, c'est ça. J'aime ah. encore ça, faire de la prod. là, C'est quand même un, un truc que j'aime bien. C'était quoi ton objectif à la base en ouvrant un, un YouTube channel quand tu l'as fait? Hey, ça c'est une fucking Good question. bonne question, man. J'ai jamais comme vraiment même réfléchi à ça, du sens que tu sais dès parce que c'était pour avoir l'approbation du monde ou c'était vraiment tu sais tant qu'à faire de la musique la mettre sur internet puis tu sais voir comme la réaction. Euh, mais je pense c'est ça, man. J'aimais aussi beaucoup le montage vidéo, faire le montage, tout ça, ça m'a toujours. Ultra passionné tu sais apprendre des programmes et comme, tu sais, savoir comment ça fonctionne. Fait que Ça fait aussi partie du lot qu'aujourd'hui, c'est encore ça. Là. Tu sais, les vidéos que je mets sur ma chaîne, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les édite, c'est moi qui Ok, mets... nice. Yeah. Ouais. Ah, ça veut dire tout moi toutes que les. Ok. Ouais. Non, c'est d'autres. Yeah. C'est fou, man, de, de tout faire par toi-même. Ça... Genre, l'équipement, excuse-moi de te couper, l'équipement sûrement devient plus gros. Tu dois jouer avec des plus grosses bébelles maintenant. Mais Ça se pourrait. T'sais, mais c'est quand même, ça reste toujours la même source, c'est ton, ton humour, ça reste la même personne créativité à travers le process. Oui, exact. Puis, je, ça m'intéresse encore, là, je digue, je check les CAM, euh, je check les, les programmes, les VST, là, je check quest ce qui se passe, man, comme qu'est-ce qui sort. Ouais, c'est intéressant parce qu'en faisant un peu tous tes devoirs avant, ça t'aide pour où est-ce que tu es rendu en ce moment. T'sais. Là, tu vois quest ce que tout le monde utilise, tout le monde fait en studio, sur les plateaux, puis tu comprends beaucoup plus, j'imagine, parce que... Utiliser toutes les affaires. Là. Puis je, on parle le même langage aussi. Ouais. que Des fois, je me demande, mettons un rapper qui ne sait pas comment prod, qui sait pas comment fonctionne un ordi, qui sait pas comment s'enregistrer lui-même. Yo, comment ça doit être tough, là, comme vouloir faire un beat. Là, ouais. Quand tu sais pas comment. Je sais pas, man. Je suis bien content d'avoir pris mon temps au lieu de. Ouais. Euh, me saouler. Fait que t'as euh, manqué formation. beaucoup de parties, j'imagine. Yeah. Euh, ouais, mais je Genève. me rattrape ces temps-ci, ça se passe bien. Là. Ah ouais? ouais. <laughs> ok, ok. Euh, Pis t'as une track en ce moment qui, qui, qui fait du bruit sur les, les palmarès avec Corias. Yeah. Euh, Mathusalem. Mathu Mathusalem. Ouais. Mathu yeah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais pas, c'est quoi, Mathusalem? Non. Euh, I don't know. Mais moi, je pensais que c'était un truc euh, religieux. Mathusalem. Du tout, man. Ça, là, moi, quand j'étais jeune, il y avait un film qui s'appelait Mathusalem. C'était une comédie pour les jeunes avec euh, Marc Labrèche. Ah, OK. Yeah. Fait que c'est parti de là. Euh, Puis en, en creusant aussi Mathusalem, j'ai appris que c'était une énorme bouteille de champagne. OK. Comme fait que là, on est comme parti dans ce délire-là pour faire la chanson. Ouais. OK, OK. Yeah. Moi, quand que je vois ça, pis je, je t'écoute, si t'es sur le hook et tout, je te vois comme peut-être devenir comme le, le, le hook guy. Tu sais ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qu'on qu voit au Québec. Que, que disons qu'ils sont appréciés des radios commerciales. Tu sais, comme en ce moment, on, je t'entends sur quelques chansons sur la radio. Je trouve que c'est dope. Tu sais, puis je, te, je te verrais peut-être devenir un gars qui drop des hooks sur les les tracks de toutes sortes d'artistes, de rappeurs. Es, C'est-tu quelque chose que tu serais down à faire, tu sais, ou... Ben, je trouve que déjà là, c'est comme un peu la position que j'ai, puis que je, je suis tellement down de, de, de ça, tu sais, de comme, tu sais, j'ai l'approbation de la scène rap, mais j'ai de l'approbation de la scène pop aussi, ouais. puis je trouve que c'est un pont, genre, genre, parfait entre les deux univers que... Je pense que mon écriture, puis le fait d'où je viens, m'a ouvert la porte au rap, mais le fait que, tu sais, justement, je suis capable de faire des trucs un peu plus catchy, yeah. de hook, que là, amène la radio, aux autres, ils capotent, là. Puis, puis maintenant que tu eu... Disons, tu un pied dans l'industrie. Comment que tu vois que l'industrie, disons, perçoit la scène rap maintenant en 2022 avec tout ce qui se passe? Je pense que, tu sais, mettons, mettons, si on va parler plus de, de radio et tout, je crois juste qu'il laisse rentrer très peu de personnes. Fait, fait au final, tu sais, moi, je suis persuadé qu'un jour Soldier, va jouer. Là. Comme, tu sais, je suis persuadé qu'un jour, il va avoir plein de rappeurs à Soulja, la radio. Il il joue pas sur la radio commerciale. Je pense non, pas, hein? il est pas assez quoi, le Soldier. Ouais, ouais. c'est ça, exactement. C'est exactement. Tu sais, je pense que. Mais tu vois, c'est en It's laissant rentrer time. un, yeah. un Fouki, on laisse rentrer un Corias, là, il y a moi, genre, comme lentement, mais sûrement, je pense que ça va bien se passer. Il voit que ça, ça fonctionne. Oui, ça marche, les numbers sont là, man, they can't deny it. Je pense que oui. Puis, tu sais, on parle de radio, on parle de hit, on peut pas pas parler de copilote avec Fouki. Euh, ça, c'était ta track solo, right? Yeah. Fait euh, je pense que c'est Quiet Mike qui t'a approché. Euh je te fais le backstory, je te fais la version complète. Ok, vas-y. On est en 2019, je travaille à la SQDC à Mascouche. Shout, Shout out. out. Oh shit, déjà. Ça, c'est le seul SQDC que je suis allé, actually. Shit! <laughs> ben, moi, j'étais là, man. J'étais là 45 heures semaine, j'ai ça ma job. Ah ouais. Bref, je suis là, puis je commence à avoir une idée de comme, euh, je pourrais me partir un Patreon puis mettre des chansons sur YouTube que je ferais plus acoustique, tu sais. J'ai juste cette idée-là en tête. Puis là, un soir, je commence attends, à composer. L'idée du Patreon vient de où? Des podcasts. OK, fait que toi, tu écoutais déjà des podcasts. Yeah. Il okay, ouais. y a une affaire partage. Comment je pourrais le flip niveau euh, musical, tu sais? Comme de, de quelle manière? Fait que là, mais là, j'avais aucune chanson encore. Fait que je suis comme. Tu peux partir un Patreon puis de zéro matériel, ça mm. mettre online. Mm. Fait que un soir, je compose le premier verse de copilote. Avec ma guide, je me filme sur mon sel. Puis euh, à SQDC, pendant ce temps-là, on se fait syndiquer, puis on a une rétroactivité, puis je reçois comme 2000 piastres. J'avais pas une assistienne dans ce temps-là, mais là, je suis comme, OK, c'est le bon moment pour m'acheter une caméra puis des spotlights, tu sais. Fait que je m'achète deux spotlights, là, comme eux, là. Okay, deux nice. spots de même, une petite caméra, puis là, je filme, copilote, j'ai sur YouTube, tu sais. Juste de même. Puis je suis comme, tu sais, j'en avais fait du stock avant sur YouTube, mais là, c'est la première fois que j'étais comme, shit, je pense que j'ai trouvé comme un peu mon flavor, puis je sens que les gens ils sont dans avec ça, tu sais. OK, mais même avant de la sortir, tu avais un, un feeling que genre celle-là est un j'étais comme peu faut spécial. que je la mette, faut que je la mette sur YouTube puis advi advienne que pourra, tu sais. Fait que là ça, commence, ça fonctionne relativement bien tu sais. On s'entend là. Ouais. Pas pas ce qu'on en est aujourd'hui, mais pour le temps, j'étais comme oh It's shit millions streams <laughs> but who's counting. <rire> 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 puis là, fait que là je me dis OK, j'en fais une à tous les mois. Man. Fait à tous les mois, je faisais un track que je mettais sur YouTube. OK. Puis là, comme ça, ça, ça créait un peu d'engouement de, que le monde ouais. attendait à la prochaine chanson. Russ qui a fait ça, je pense, euh, un peu la même technique. Puis euh, je mettais aussi le truc que, genre, avec du recul, je suis tellement fier d'avoir fait, man, je mettais les accords dans la description. Oui. Fait que le monde, comme il entendait la tune, t'es comme, oh shit, il y allait dans la description, il pognait leur guitare, il apprenait à jouer la guitare, il a joué au feu, il a joué devant Mais leurs amis. C'est ça que je dis fait que j'ai fait ça la pendant... façon de connecter ton ton fan c'est ce que je veux yeah. dire, moi c'est ça que je trouve intéressant. j'imagine que il y a du monde qui te suit from back then qui voit, qui voit maintenant qu'est-ce qui se passe avec toi puis c'est juste ça, ça a renforcé disons leur, leur euh, Tu fais -tu des fandom. Patreon chilling Ben maintenant on a fermé le Patreon là. Oh. Ouais, oh. malheureusement euh, parce que ce qui arrive aussi c'est que ça faisait C'est bol à ce <laughs> point là, comment j'ai plus besoin oh. de... oh. Il même... <laughs> fallait que je fasse le sound effect. Non, mais hey. parce que ça allait bien, ton Patreon, non? Mais ben, je payais mon loyer avec ça, là. Ah, Comme j'avais comme 170 dit. abonnés, genre Charlotte. entre 170%. Oui, ben mais, ouais, mais c'est parce que un donné, la charge de travail était rendue tellement comme Lourdes. ça, Lourdes. Ouais, Il a ça a Oui, exact. tu sais, avec les shows, là, comme les shows, ça prenait du temps, ça prend aussi de l'énergie, de là penser à OK, là, je dois faire le track pour le mettre sur le Patreon, pour me préparer après ça à release à tout le monde. Puis là, filmer le tutoriel, puis là, le mettre, J'étais comme man, tu sais, les gens qui m'ont aidé. J'en suis éternellement Exactement. reconnaissant, mais je l'aurais dit 100 000 fois. Ils sont toujours là, style, hein? ça. C'est juste les Exactement, c'est pas les gens qui disparaissent. Exactement. Puis ça. OK, fait que tu as pas gardé 3-4 mois extra, genre juste pendant que. après, ça, OK, ciao. Non, non, exact, ah, c'est okay. ça. Exact. Ben, c'est ça. Quand j'en ai parlé après ça avec mon équipe, j'étais comme là, tu sais, j'ai rien à sortir le mois prochain, on n'a rien sorti ce mois-là. Je ne suis pas pour laisser ça ouvert. Le monde, ça, ça le prend sur leur carte de crédit. ils font comme Chris. Ça fait six mois qu'il a rien sorti, puis pas que mon fric, t'sais. Que, non, mais okay. man, ça m'a tellement aidé dans ce temps-là, là, comme ça, ça pas de Je sens, trouve là. ça d'autres parce qu'il n'y a pas... En tout cas, il y en a sûrement, là, mais je ne connais pas beaucoup d'artistes ici, en tout cas au Québec, qui ont fait euh, ce route-là, tu sais, du Patreon, des, 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 des styles, de, des affaires d'abonnement. Tu sais. mm -hmm. Je pense que c'est tellement important, man, ça peut créer tellement une loyauté avec tes fans. Ben c'est aussi, euh, aujourd'hui, je ne sais pas dans le temps, mais c'est une communauté. Froid, ouais, je suis bro. sûr que ouais. là, ça fait 12 ans que as ton channel YouTube. Peut-être que tu connais des, des subscribers qui étaient là depuis le début, qui aujourd'hui sont encore là. C'est ça qui est cool, c'est le community work. Bro, même euh, Joe Budden, ouais. lui, il y a fucking 15 ans, il filmait tout. Puis il mettait tout sur YouTube. Puis c'est encore sur son YouTube channel jusqu'à aujourd'hui. C'est Beef avec Ransom, toutes sortes d'affaires de gens il y a 10 ans. Mm -hmm. Puis c'est encore tout là. Puis je pense. C'est dope, justement, ah ouais, que ça des soit là. ce que je veux dire, comme tu as dit tantôt. Le monde, ils peuvent aller back. Tu sais, comme les super fans, ils vont aller all the way back, là, checker les mm. beats qu'ils faisaient sur ces MPC. Puis ils faisaient même un podcast dans le temps, là Joe Budden, il a commencé tôt. Là. Ben, c'était Joe Budden TV, bro. C'est ça. Il était n'importe où. Il était à, à Montréal jamais... en tournée, des On en, en a parlé tout à l'heure, on va faire semblant qu'on n'en a pas parlé. Mais <laughs> t'as-tu déjà pensé à ouvrir un, un podcast ou quoi que ce soit C'est ça que je disais tantôt, ouais. parce qu'on en a déjà parlé, mais euh, à l'époque. Genre avant que les podcasts soient populaires, là, comme j'écoutais, moi, le premier podcast que j'ai pogné, c'était Sous Écoute, okay. le podcast de Mike Ward, ben mais oui. c'était pas, c'était en, euh, en fucking Skype là, dans ce temps-là. Oh, J'étais comme, okay. si, ça, si, f... si ça le faisait, mais pour la musique, serait fucking nice là, de recevoir comme un artiste. Puis moi, tu euh, ce qui m'aurait intéressé, mettons, ou un podcast que j'aimerais voir, c'est vraiment, tu rouvres le laptop avec l'artiste puis il te montre c'est shit. C'est comment qu'il se C'est quoi les VST qu'il prend. C'est quoi sa chaîne de production. Ah, Donc, ouais. Ça serait pas montrer un peu sa sauce. Parce que j'ai déjà... Il euh, y a ces formats-là qui existent. Genre, euh, par exemple, moi, j'en ai déjà fait. Tu sais, je suis allé voir Nicholas Craven, Mike ouais. Chab. Mais je veux... La limite, c'est que je veux pas aussi demander toute ta sauce. Tu sais, c'est comme mais d'en faire, euh, faire un podcast ou une heure et demie comme ça serait cool ouais je dirais c'est très, très, très geek ouais, c'est très ouais. geek c'est vrai ouais. rap nerd ouais. c'est très être geek là. mais par contre pour répondre à cette question là je pense que ta sauce ou pas tu sais la la personne elle va pas avoir ton talent là. comme ouais. tu moi j'ai toujours trouvé que c'était un truc à partager là puis au début moi aussi Totalement, longtemps j'étais comme Je oh, je devrais pas le dire c'est quoi ma chaîne avec le tutoun. Ouais. mais au final mec prends le puis es capable de de faire de la musique avec ça, puis comme, oh, vas-y. Mais je pense que ça, c'est la, la meilleure que... façon d'être, bro. Comme ça, tu Yo, bro, whatever happens, happens. Mais toi, si tu es confiant dans tes skills, tu fais ce que tu as à, ça, à faire. Moi, mais... ça serait dope. Man. Une bonne conv... Tu devrais le faire, non? Bah, c'est ça qui arrive. conversation avec Jay Scott. <rire> <rire> Ou bien, conversation ah, avec Jay. Projet numéro 56, possible. <laughs> ça. Exactement. Je mets ça dans une petite poche, peut-être dans 10 ans, là, on va faire ça. Là. Puis, puis j'ai mentionné copilote, puis beaucoup d'artistes, euh, une fois qu'ils. Un hit quand même de, de cette magnitude. C'est quand même un gros hit là, au Québec. Est-ce que ça te met de la pression pour les prochains projets? Si tu. tu peut-être euh, le rap Keb, ça ease les affaires, ça te remet plus euh, dans une place confortable pour préparer ton prochain album. Comment tu vois ça? Parce que tu sais, c'est quand même. Les attentes sont là, Là, j'imagine, après avoir un hit de même, right? Ben moi je me dis, man, en tout cas, ma, ma, théo-, ma, ma réflexion par rapport à ça, c'est que c'est jamais toi qui décides qu'est-ce qu'il y a un hit ou pas, tu sais. Fait que moi, qu'au qu quand je l'ai écrit, je, zéro, je pensais que ça allait faire ça, tu sais. Puis, comme quand on l'a repris, tu sais, oui, j'avais comme un vibe que, tu sais, OK, oui, le, le vibe est bon, mais jamais j'aurais pu. Prédire ça, tu sais. Fait comme si je me mets à comme, composer des tunes en me disant ça me prend mon prochain hit, ça marchera jamais. Là. 100%. Ça je suis d'accord avec toi. Faut que ça soit. C'est les, les, les gens qui décident, là. Ouais, Moi je mets la tune jamais sur Internet, puis après ça. Mais ça quand tu l'as sorti solo, c'était quand même une tune qui a fait du bruit dans ton répertoire. Ça ouais. fait une différence, ouais, dans mon. Dans, tu voyais dans mon jeu. que celle-là, c'était yeah. comme une, une favorite. Ouais. Puis là, Fouki ça l'a amené next level. Exactement. Le, ouais, ça l'a. Ça, le, ça, le, comment je peux dire? Ça m'a ouvert la porte à plein, 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 plein d'affaires. Mais tu le connaissais-tu, Fouki, avant ça? Comment ça a ouais. euh, Dans le fond, moi, j'ai une chanson déjà avec Fouki qui s'appelle Bonnie and Clyde, qui est sur Spotify, okay. euh, qui date okay. de 2015, genre 2016. Oh shit, OK. Yeah. Ouais, quand les deux, on n'était vraiment pas dans le même système. c'était son projet à lui? Non, non, c'était euh, avant okay, même qu'il soit signé, okay. Comme. Puis euh, moi, Fouki, je l'avais vu dans le temps, il était dans un groupe qui s'appelait Segala, à un show que Filigrane avait organisé qui s'appelait La Relève se lève neuf. Puis moi, j'étais <laughs> sur ce show-là. C'est précis. là. Yeah. Hein? Yeah, là il <laughs> C'est quelle date, bro? Non, ça, je pourrais pas te dire. Mais je me rappelle que moi, j'étais sur ce show-là, dans ce temps-là. Puis euh, Fouki était là, accompagné de son groupe. Puis je me rappelle juste de voir le groupe commencer pour faire comme Yo, ce gars-là, il y a, y a un chose, grand ça. avenir devant lui. Là. Puis je me rappelle d'avoir dit ça à Philly. Il était direct là. Je me rappelle comme Stayer. Puis là, Next Thing You Know, après ça, Gaillé se pointe. Puis c'est ça peur là fait buddy. que ouais tu sais moi la première fois que j'ai rencontré Fouki, il t'es comme yo j'écoutais ton shit à Rap Academy man dans le temps man puis wow. comme « oh shit ouais tu me connais aussi from day one puis ça doit être dope de quand même partager des, des, des gros moments avec, euh, avec votre collab tu sais c'est c'est fou là, tu sais j'étais à Saint Jean la semaine passée là à Montréal là, voilà. quand il doit y avoir 30 000 personnes là ça joue à télé devant des millions de, de spectateurs puis c'est juste un bon vibe là. what a feeling man yeah. Ah non, puis les shows aussi je pense que MTlus que Fouki a fait avant les Franco ça avait de la lit. Est-ce que tu te penses des fois moi là souvent j'arrive sur scène là je me calisse les deux pieds à terre. Là je prends une bonne respiration. Puis là je vis ce moment là man. Comme ça c'est malade tu sais je sais que ça peut être éphémère ou tu ça peut partir vite Le tu sais. il monde qui était là il y a 10 ans sont peut-être plus au top aujourd'hui puis vice-versa tu Fait que man moi je le prends man, puis je le tu savoure. Exact. puis c'est malade comme c'est fou là. Si, si big, je te... big up, man. Ben ouais, man, Big up. Pis surtout t'as une grosse tournée là aussi là, qui a yeah. commencé, je pense, au mois de mai. Ouais. Beaucoup de dates, tu Comme c'est ça que je trouve dope. C'est rare de voir des artistes qui ont des tournées aussi euh, mm -hmm. élaborées que ça là. You know I mean? Shout-out tout le monde en région aussi qui regarde et qui, qui supporte. Euh, c'est quoi pour toi ton, disons, ton meilleur moment en spectacle Parce que là, il y a eu les Franco qui viennent de passer. Il y a la Saint Jean. Il y a eu plein de choses. Ton quand premier même. gros spectacle ouais, C'était quoi C'était quoi ton best memory Club Soda, c'est dur à battre en termes de... J'ai réussi à sold out fucking 1000 disquettes avec des chansons à la guitare, là. Comme, tu sais, quand je prends un step back de ça, je suis comme « Oh shit, man! » Puis je suis content parce qu'on a fait un recap, un vidéo recap, tu sais. Mm -hmm. Puis j'ai ce souvenir-là maintenant pour toujours, là. Mais man, ouais. je te le jure, là, je fais un accord, les gens chantent les tours à ma place, là. Yeah, Comme, ils catchent le, le premier chord, Malade. Ça, man, c'est insane, man, de pouvoir vivre ces affaires-là. Mais tu sais... Je, je l'ai revécu au théâtre Maison Neuve euh, le deux semaines. Comme... Je pense que jamais je vais le prendre pour acquis. Tu sais, c'est toujours juste fucked up. Crazy, man. Est-ce que tu est as eu une hésitation de même faire la collab avec Fouquet? Ben oui. C'est sûr, man. Tu sais, quand c'est arrivé dans l'engrenage, je suis comme OK, mais là, la thune est déjà sortie. Comme qu'est-ce que ça va me donner de plus? Mais au final, j'étais comme. Les choses allaient bien, comme Patreon, tes affaires. Ouais, comme tes chiffres, à, oui. à sortir, tu sais, je réussis à m'en sortir. Mais... Euh, ce qui m'a fait peser dans la balance, c'est que ça faisait un an que la toune était déjà sortie. Tu sais. Puis moi j'étais comme La toune, elle, elle a fait sa run, rendue ouais. là, ça fait un an. Pourquoi je ne vais pas lui donner une deuxième chance, tu sais. Puis Michel, le Michel Silencieux, il a tellement niqué là, la prod. Là, quand il me l'a envoyé, Puis tu sais, moi ma toon, la manière que je l'ai enregistrée, n'était pas sur un clic, tu sais. C'était pas sur. Euh, C'était moi qui la jouais comme. Ouais. Tu sais, comme okay. si comme si j'ajouais là. Fait que lui, man, il a tout été quantize, quantize ça, ça ouais. pour faire la prod. Shout out. Man, fait que même lui, il a fait comme yo, il y a de quoi dans cette chanson-là, man. Puis je vois une qu down qu'on travaille là-dessus, tu sais. on est allé, pis man. Michel, c'est c'est quelqu'un que j'aimerais bien parler avec lui. Mais je sais que c'est. Yes, ah. ouais. sir. <laughs> c'est incroyable, Michel, man. Faut shout out. <laughs> puis c'est off. Euh... Ben ouais, shout out, <rire> définitivement. Je l'ai vu justement à Metro, Metro, bah. Not too much conversation, mais il fly. Mais, euh, euh, tu sais, puis je pense que c'est copilote qui t'a amené à signer ton deal, right? Avec euh, 117 ou c'était avant? Comment ça s'est passé? Euh, ben, ouais, ben c'est un peu là que, que Steve est allé checker mes shit plus attentivement, tu sais, quand ils ont dit. Euh ça doit être ça, là, dans le temps de copilote. Yo, big shout out à Sam Rick qui est là dans les, dans les yes coulisses. Sir, ouais. euh, vous entendez sa voix The, savoir the Dot quoi Connector. Ce... Exactement, big shout out à lui. Mais est-ce que tu connaissais Sam à travers. D Où d'où est venue la connexion avec Sam? Ah, ben, on se connaissait déjà un peu de la, de la scène. Veux, veux pas. Là, moi, j'ai continué à faire des gigs. Euh, Fouki était toujours pas loin. Puis euh, c'est en 2018, le lancement. 2019. Euh, moi, je fais un show. Euh, c'est au Quai des Brumes. Yeah, il y a okay. genre euh, trois autres artistes ça comme il y avait Richard Richard shout out il y avait... il y avait... non il n'y avait pas ce Smithy c'était un show de moi solo ouais il n'y avait pas euh... en tout cas je suis là il n'y a personne dans la salle là. il y a genre neuf personnes puis ça donne que Sam Rick puis Michel Silencieux qui sont là genre. moi je fais ma moi je fais mon, mon show comme s'il y avait 100 personnes ils viennent me voir après ils font, ils font comme yo euh, on vient de parler à Fouki on aimerait bien ça que tu rouvres pour nous autres au Club Soda tu je suis comme, yo, let's go, man. Puis ça a été une de mes plus grosses gigs. Wow. Au début, je t'avais fait 20 minutes devant, devant le club soda, bondé, man. Euh, fait que c'est un peu là comme qu'on qu a connecté. Ouais. Très dope. Puis encore là, tu sais, euh, t'étais un artiste qui avait ton following, tout ça. Ça a-tu ça, ça, ça été difficile de dire, OK, je signe, puis je les laisse un peu prendre ma carrière dans leurs mains? » ou… Ben, man, moi, quand que. Tu je faisais tout moi-même, 100% indépendant. C'est ça. Puis. Euh, moi, j'avais le goût de signer avec un label. Là. Mais j'étais comme, moi, je vais signer le jour, qu'il y a un vrai label, tu sais, comme que, okay, ouais. que je respecte et que j'admire qui va m'approcher, tu sais. T'as nous que. <laughs> Shout out <laughs> à Steve Jolin, man. Exactement, tu sais, c'est ça. Quand j'ai vu Steve Jolin, 7e Ciel, rappelle-moi, j'ai rappelé, là. OK. <laughs> a man of a few words, man. Ah, je respecte ça, c'est dope, man. C'est dope. Puis là, fait que là, ça fait quoi? Ça fait un, un an, deux ans, max, ça fait est avec un eux. An. Puis là, tu as des tournées, puis tout. Ça, ça doit être quand même spécial. Tu, tu dois voir la différence de, de indé et signé. 100 Puis c'est quoi pour les gens? Parce que beaucoup de gens aiment souvent « Ah euh, oh, yo, reste indépendant, reste indépendant. » C'est comme le « cool thing to do », tu sais. Mais en même temps, il y a beaucoup d'avantages qui peuvent venir à être signés. Mais je pense que, tu sais, mettons, quand on regarde des films d'artistes, ça finit. c'est un peu tout le temps ça, le genre de trame narrative, de comme, OK, là, il est indépendant, il signe, il se fait arnaquer, puis là, il est dans marde. Ouais. Je pense que c'est pas ça de la vraie vie, tu sais. Puis, euh, moi, même, j'ai tellement vu une différence dans, dans toutes les. Juste en termes de professionnalisme, l'affaire qui arrive, c'est que moi, je recevais une tonne d'emails de comme, Hey, viens-t'en à Rimouski faire 30 minutes, combien tu veux? Combien ça vaut, man ouais. comme, Combien ça vaut là, okay, selon les streams ce que ou tu whatever. Dire, ouais. Là, maintenant, c'est tellement professionnel, man, moi, là, comme... Au niveau du booking, ben, déjà, euh, vous irez checker pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Abonnez-vous. Ben oui, Abonnez-vous ben oui, déjà. Et vous irez voir l'épisode numéro 100 qu'on a avec Steve Anodajev. Yes, vous sir. allez pouvoir suivre son parcours. Classique. où est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est qu'il raconte déjà son hustle des spectacles. Tu comprends comment comme il, il a réussi à bien rouler sa business au niveau des spectacles. C'est clair que pour toi, au niveau indépendant, hein, tu devais recevoir des, des demandes de partout. Gérer ça, ça devait être quand même compliqué. Là. Ben C'est ça, exact, exactement. Tu sais combien ça vaut quand tu es un artiste? C'est dur de te mettre un prix à toi-même. Mmh, ouais. Autant que tu peux te undersell même... que tu peux t'oversell. Dans les deux cas, tu as la niaiseuse. Je pense euh... même quand tu es trop du côté. Comme quand tu commences à gérer trop le côté business, ça va affecter ton art d'une façon Ça, ça ou touche autre, aussi ton image. C'est ouais. comme au pire, tu te avec quelqu'un d'autre. Ouais, là, you don't wanna be, tu ne veux pas être le bad guy dans la négociation quand c'est toi l'artiste. Mm -hmm. ce je veux dire, comme. Ouais. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que moi, euh, aucun regret, man. <laughs> c'est tellement une équipe incroyable que ça se passe à fond. Je suis fucking content. Est-ce que avant de signer, par exemple, euh, faire du booking avec eux, tu voyageais un peu dans le Québec ou tu étais. Il euh, y a un show que j'ai fait, il y a un gars qui m'approche, c'est là que j'ai comme pogné un deux minutes, c'était à, à Chicoutimi, le gars il me dit, hey j'ai une salle, ça c'est avant que je signe avec le label, il fait comme, j'ai une salle, 70 places, ça te tu de venir? <tousse> je suis comme, ok. Fait que là il met les billets en vente, une heure après il me rappelle, ouais wow, on a sold out, on aimerait ça faire la date d'après. Je suis comme, alright, sold out dans l'heure, puis je suis comme, man. Ah ouais. À Chicoutimi, je n'ai jamais mis les pieds là, de ma vie. Là. Wow. Je viens de vendre fucking 140 tickets là. c'était malade ouais. Ça veut dire il y a un succès qui se passe puis toi tu t'en as. Aucune idée. Man, je fais tout dans ma chambre t'sais. T'sais, tu comme, je fais les trucs dans ma chambre, je le mets sur YouTube, je ferme l'ordi, je me travailler à ma job. Là. Comme tu sais, oui t'sais, tu vois les, les streams puis tu vois comme les chiffres monter, mais c'est pas tangible en termes d'humains. Mais tu sortes, ok dehors tu t'en rendais pas compte. Pas en tout. Ah ouais. ouais. Tu faisais pas, pas reconnaître partout. Ben, je part... pense que j'avais pas un succès assez, assez mm -hmm. gros dans ce temps-là pour ça, tu sais. Mais ça a été vraiment quand j'ai vendu les 140 tickets en deux heures là-bas que j'ai fait, yo, six heures de char de chez nous, man. That's crazy. Donc, a... okay, deux ouais, minutes, mais... c'est... T'as dit, j'ai pas mis à deux minutes. Ouais, ouais, dans le sens que, j'ai comme fait, oh, OK, OK, j'ai comme réalisé comme le... qu'est-ce qui est en train de se passer, t'sais. Ça, ça ressemble dans mon donnait. dictionnaire des expressions. Ouais, moi aussi, je pas. <laughs> ah ouais, j'ai pas gagné un dire, deux là, minutes. Parce que nous, ici, ben, deux minutes, on, on fait un deux minutes. Ouais, c'est <laughs> ça. Je t'ai gagné avec <rire> qui le bif Vas-y, dehors, deux minutes. <laughs> ma non, mais quand tu sais, quand que tu vois ça, il y a beaucoup d'artistes qui verraient ça vendre 140 billets comme ça en disant genre, Oh shit, je peux partir une business puis faire ça moi-même, non comme c'était -tu, tu compliqué ou c'était tu comme j'ai under j'ai low ball un peu j'aurais dû les charger plus cher comme 100%, là, ça j'ai réalisé après avec mon deal boiteux là, parce que moi je ne savais pas tu je lui non, non, la semaine prochaine aussi en oh, l'autre chose après <laughs> c'est <laughs> comment alright <laughs> c'est pas juste ça tu sais t'arrives comme tu sais le, le monde ça met un un stem de qualité sur tes affaires. Ouais. Là, là, maintenant, là, quand je m'en vais faire un show, je suis accueilli man, avec, avec respect. J'ai une chambre oh. d'hôtel qui fait du sens. Comme, tout est, est bien ouais, C'est ma, une, une grosse logistique. Des fois, on peut sous-estimer, mais tout le travail qui est mis derrière ouais, un artiste. Tu savais là, à quel point les gens dans un label, man, ils travaillent ouais. 40, 50, ouais. 60 heures là, pour comme un artiste. Que même si l'artiste ne prend pas le temps d'analyser la situation, tu t'en rends pas compte. Ouais. Là, mais ces gens-là travaillent d'arrache-pied. C'est du back and forth avec du monde. Que des fois, ils comprennent pas ça, tout ça, dedans, Je trouve ça important de mentionner ça parce que tu as vu les affaires, tu dis comme je t'accueillis avec respect. Euh, C'est comme, comme des affaires, disons, qui n'ont pas de prix. Tu ne peux pas mettre de prix sur ces choses-là, mais ça vient avec le stamp, comme tu as exact. dit tantôt. Fait que tu sais, des fois, oui, il peut y avoir ça ou des désavantages de certains côtés, mais comme il y a des choses aussi que, que même toi, si tu vas indépendant, tu vas avoir gagné juste d'avoir été signé. C'est ce que je veux dire. So, ce n'est pas toujours un négatif. C'est juste ça que je veux dire. Non, puis aussi, un label, ça a une réputation, tu sais. Cette réputation-là. Ben là, le, le logo 7e ciel, tu sais, il est official là, au Québec. là, tu comprends? Ouais, mais tu sais, il y a d'autres gros labels, mettons. 100%. Tu sais, ceux qui ont réussi à faire leur nom, comme, tu sais, tu reçois un email de ce, de ce label-là, les gens, ils vont le checker. Là. Mais ils reçoivent oui. le label de Jérémy euh, Scott, ça se peut qu'il aille dans les des ouais. érables un peu, tu sais. Ouais, ouais. <laughs> I see what you mean. Mais euh, tu, ça veut dire que tu connaissais, tu connaissais un peu l'industrie, tu Genre, tu connaissais un peu la, la game. Là. Je pense que non, pas tant que ça, mais Je pense que c'est. Euh, si t'es pas dedans, c'est dur à comme, comprendre un peu les fonctionnements et tout. Là. Moi, je savais pas qu'il y avait autant de gens impliqués comme derrière. c'est vraiment ah ouais, comme. C est, c est des ben, grosses équipes. Les gens, équipe, ils travaillent toi. en crise. C'est vrai que t'allais lâcher la musique avant que tu signes, genre, ou pas longtemps avant. Ou... Avant qu'on pilote, ouais. Ah ouais. Hein? ouais. Mais là, tu sais, moi, j'ai 32. Là, j'étais comme man. Puis tu sais, moi, la, la SQDC, j'aurais pu faire ma job de vie là. J'aurais pu comme vraiment comme step-up. puis comme, euh, Ok, syndiquer, c'est bon. Ouais, exact. Comme... Syndiquer, comme tu sais, devenir directeur là, mettre mon petit crise établi, puis me faire chier avec des clients toute la, <laughs> toute la journée. Je à tout le monde qui travaille à la SQDC. Et, non, hey, non, 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 je non, sais mon... pas, man lâchez pas je sais que c'est pas facile pis euh <laughs> mais je sais que j'aurais eu le regret tu préfères le truc SQDC ah non là faut non là je me tiens loin de, okay. de, de <laughs> j'ai <laughs> vu les yeux à Sam <laughs> hein. <Okay. rire> mais euh ouais c'est ça mais j'aurais tellement regretté de pas au moins faire le move tu sais Ouais, man, hey, je me rappelle, ouais. là, je suis dans le backstore avec un gars avec qui je travaille. Puis là, je suis comme, OK, là, j'ouvre mon Patreon, man. Puis là, OK, à 5$ par mois, les gens vont avoir accès aux vidéos avant. À 7$, je vais mettre des tutoriels. Puis là, il comme, c'est vraiment nice tes projets, mais retourne à ta caisse. Là. <laughs> Ouch! Ouch! Fait que, man, je pensais, je, pensais ça, je pensais juste à ça. Je pensais juste à ça. Puis, OK. Excuse-moi, t'étais oh, tu tout seul dans ton monde? De toute façon, dire, tu sais, c'est clair que ça doit être fr pas frustrant, mais de parler à des, des projets comme ça. est-ce que euh, Oui, parce que toi tu vois qu'est-ce qui se passe, tu vois disons les followers, les commentaires, tu vois que ça grossit. Là tu parles, en à, parles à ton au collègue gars, travail, comme sont... OG, man. va dans l'allée les 5. Man. <rire> <rire> ouais, c'est fucked up mais en même temps, je pense que tu sais quelqu'un qui a pas une tu sais je dirais pas tu sais moi vraiment c'est une obsession, ça a toujours été comme tu sais j'ai ça dans la tête constamment là. fait que d'essayer de le partager avec du monde qui connaissent pas ça. C'est sûr, là, tu sais, là, quand euh, on s'est dit de toute notre vie, il euh, ben, faut que tu travailles 40 heures semaine, tu te un chalet, puis tu prends que ta retraite à 65, puis tout le monde est heureux, tu sais. Fait que là, d'être plus dans l'univers de la musique, là, je suis vraiment plus souvent avec du monde qui ont la même mentalité que moi, tu sais. Fait que ça, okay, je, ouais. je trouve ça vraiment fraîche pour ça, là. Ça rend les trucs juste plus exponentiels maintenant. Exact, exactement. C'est dire. Euh, It's crazy. Fait que, puis c est, c est à quel moment que tu as dit. Parce que tu sais, si tu avais ton Patreon, c'est-tu quand que ça a commencé à rouler, que tu as lâché les jobs, puis tu vivais ta musique, genre? c'était euh, plus quand la signé avec le label. Dans le fond le tu sais je travaillais à SQDC, j'ai lâché la SQDC pour aller travailler dans un centre de crise en santé mentale parce okay, que ouais, 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 l'organisme ouais. c'était sept jours de job, sept jours de congé. Fait que moi je le voyais comme étant OK, je travaille 7 jours mais j'ai 7 jours après pour travailler sur ma musique, t'sais. OK, OK. Puis euh, là ça commençait comme tu sais j'ai réussi à créer à générer assez de revenus pour lâcher ce job là. Fait que je donne ma démission à ce job là, puis vraiment il me restait deux chiffres à faire là. Puis le matin, je me réveille, puis là, je vois que Steve m'avait laissé un message sur mon sel pour. Wow! wow T'avais déjà donné, donné ta démission. Ouais, exact. Moi, je, je lâchais ma job, il me restait deux jours de job. Là. Puis, je sais pas pourquoi, man. J'ai un karma incroyable, man. Tout La ça vie, est man. arrivé, man. Comme... That's crazy. What? That's God. Yeah, <laughs> On va, pas, on va pas être trop euh, spirituel ici. Euh, non, on se 5. <laughs> non, mais, mais c'est nice pour vrai, même. Puis le parcours euh, qu'on qu voit que tu fais, c'est intéressant. Puis là, après Rapkeb, volume 1, comme si c'est. Tu sais, ça pourrait. Est-ce que tu, tu développes encore sur ça ou tu es sur le prochain projet? Moi, je suis vraiment down d'exploiter YouTube encore. T'sais. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est. Euh... J'adore les albums. Je, je consomme des albums. Là. Dans mon char, mm -hmm. je vais sur Spotify, je mets un album, puis je le joue en loop pendant une semaine. Tu sais. okay. Par contre, j'ai l'impression que les gens écoutent de moins en moins la musique comme ça. Ouais. Puis des fois, que tu vas faire un album de 15 tracks, les gens vont écouter deux tracks, puis les ouais, 13 le autres passent dans le vide. Euh, ouais. L'affaire que, excuse-moi de si vous couper, l'affaire que j'ai trouvé nice, c'était Broken. Tu sais, des fois, on se casse la tête à vouloir faire des clips, cassage de. Tête et tout. Ouais. Yo, tu t'es filmé, yeah. tu as mis les sous-titres, ça tu as presque un million de vues. <laughs> <laughs> puis tu sais, ça n'a pas dû coûter grand-chose. On ne met pas de prix sur l'or, mais tu sais, c'est simple. Donc ça. des fois, c'est de, de se dire la, la, la relation entre l'énergie que tu peux mettre dans un vidéo. La, Qu'est-ce que ça redonne en retour? Excusez-moi, je me perds dans mon mots. Non, mais t'as raison. Il faut pas y penser. C'est comme qu'il a dit, man. Des fois, quand tu y penses trop, bro, de, de, dans le sens de yo, je veux faire un hit, je veux faire. You mm -hmm. just gotta make music, man, à la fin. Tu sais, j'ai souvent croisé du monde qui travaillait tellement longtemps sur leurs fucking 10 chansons qui vont juste être déçus un coup qu'ils sont released parce que ça fait 4 ans que tu rien sorti. 100%. Man. Personne ne sait qui, man. Il y, même... y a beaucoup d'artistes qui sont dope que je connais puis que des fois, je suis comme yo, je sors la musique. Oh, ça s'en vient. Ah, oh ouais, je exact. Ouais. Oh ouais. Oh, Check il, bien mon prochain shit. Oh. Attends, attends que je, oh, je vais amener un violoniste, ça être malade. <laughs> ok. Mais moi, je trouve que surtout aujourd'hui, dans le pace de la musique aujourd'hui, le monde est oublié en deux semaines. Ben, ce que man, je veux exactement. C'est ça, moi, qui m'avait marqué de Fouki dans le temps. Tu sais, il faisait souvent hashtag actif. Ok, ouais. Ben, moi, j'avais le temps de beaucoup. faire un track il avait sorti six chansons, là. Ben oui, mais c'est comme t'as dit au début, bro. Des fois, le, le travail va surpasser le talent. Il va y avoir du monde qui sont super talentueux. Mais si le gars à côté, il travaille puis il drop, il drop. Comme t'as dit, l'affaire de sortir une track par semaine, bro, c'est comme un mannequin. C'est comme la radio, man. Radio programming. Quand ils jouent la même chanson, la même chanson que tu finis par aimer, c'est parce que tu l'as juste entendu plein de fois. c'est ça le name of the game, moi, je pense, en 2022. Il y a quelques exceptions que, tu sais, disparaissent, puis ils reviennent, puis c'est un. c'est un god status, ça-là. Tu comme Kendrick, il peut disparaître 5 ans, revenir, puis on va écouter son tape, puis attentivement. Est-ce que ça va être aussi hype, Kendrick, maintenant que. Ah, ben, en tout cas, tu veux qu'on embarque là-dedans? Moi, c'est mon artiste. Que tu as dit pimp, uh, To Pimp a Butterfly, c'est un de tes albums favoris ever. Genre? Ouais, man, à chaque fois que Kendrick sort de quoi, c'est un des seuls artistes que je m'assois devant mon ordi au release, je sors le texte. Ah ouais, Genius, ok tu sors euh, le texte. Ok, oui, si tu sors le texte, là vraiment. Avec ouais. ton café, là tu dis. Le... Je me claque l'album, puis comme j'y pense, puis. Ah ouais. Il euh, me remet en question sur mo mon identité artistique à chaque fois. Man. Wow! Yeah, comment tu as trouvé le dernier? Adoré. Dès le premier listen? Non. Ok, c'est ça. Il y a deux, trois tracks. Euh, Bro, il faut digérer down, cet album-là. Ouais, mais euh, c'est ça, ça, tantôt je parlais, man. Euh, il y a une entrevue de Tyler the Creator qui disait que c'est tellement real comme album qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à recevoir ce genre de, de realness-là. Fait qu'ils vont le mettre de côté parce qu'il y a des trucs tellement deep là-dedans. Ouais. Mais, je pense que c'est tellement deep que ça va over people. Le, le monde, ils sont pas prêts, disons, à dealer avec ça. Exact, mais je pense que artistiquement, un artiste qui est prêt à aller. S'ouvrir de même en quatre pour comme, faire, une, faire des chansons? Non, moi je respecte je respecte définitivement le, le côté que genre il n'y a personne comme lui, encore une fois, comme les artistes uniques, euh, tu sais, comme Kendrick, I gotta give it to him, 100%. Mais des fois je suis comme, je suis vraiment un banger Kendrick, tu sais, comme parce qu'il est capable, là, he's, ouais. his, ses raps sont fous, tu sais, mais. Des fois, je suis comme okay, « j'aurais peut-être changé le beat. » C'est peut-être le côté euh, orchestral ou plus théâtral, des fois, que je peux comprendre. que. Même l'affaire Heart, « Heart Volume 5 », je pense ouais, c'était. Oui, avec le, les… les... J'ai trouvé ça dope, là, tu sais. Yeah. Mais j'étais comme… J'ai écouté une couple de fois, puis j'étais comme « OK, I'm done with it. » ce que je veux dire? C'est ah, ça que ouais. je trouve plate. Puis tandis que, man, il peut drop. Mais je respecte, dans un côté, le choix. Parce que lui, il sait qu'il pourrait faire ça. Mais il va dans une voie vraiment... Euh... Ouais, moi je le vois comme un peintre, là. Ouais. il mm -hmm. fait une peinture. Mais là. lui, il sait qu'en faisant ces projets-là, ça va être moins être euh, des succès commerciaux, disons. mais je pense il, que... il fait pareil. Fait ouais. que je respecte ça. Mais des fois, je suis comme, damn, Kendrick, mais... Mais la direction qu'il rire... qui prend, c'est comme euh, le, le, la grandeur qu'il qui essaie d'aller chercher. La... J'ai vu une vidéo man. il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, mais à ce qui paraît, sa couronne coûte 3 millions de dollars. Ah ouais, ouais, ça c'est l'affaire OBT Awards, ouais je l'ai vu. T'sais, mais même ça c'est mais façon de dire ce qui repré qu représente de le je pense à un Kanye West comment ouais. comment eux ils se perçoivent en tant puis leur la représentation de ce qu'ils sont je trouve que au, au niveau artistique man, ça, ça va loin c'est ces tu 100% Quand même l'album de Kendrick j'étais avec quelqu'un qui était… Ah, Kendrick je veux pas dire c'était qui j'ai joué, <laughs> joué la, une track une grosse track la euh, quelque chose to my mother ou quelque chose de même là Ouais. Puis la personne à côté de moi commence à pleurer. Mother, I'm <laughs> fait... Sober, là, Mother... De dernière oui, chanson, oui, oui. la la chanson avec la fille de Party Ben oui. Moi, ça, c'est le gros track de l'album. Ouais. Ouais, je regarde. Je suis comme, OK, oh, damn. Puis, puis c'est vrai, man. Comme, il faut l'écouter dans un certain vibe. C'est ce que je veux dire. Ou tu l'écoutes. Puis je ça, trouve que ouais. des fois, de plus en plus, maintenant, la musique, on ne l'écoute pas tant que ça. Ça joue en background. Mais c'est ça. Étant un gars qui est tellement into lyrics, comment tu gères ça? Parce que toi, tu as, as l'avantage un si peu de faire permets, des mélodies. Je veux, on, on revient continuer sur, oh, sur la Kendrick. Truc, sur Kendrick parce que c'est au niveau performance euh, de, du personnage moi s'il a fait un clip là je pense que c'est un plan séquence où est ce qui fait juste spit là genre ouais et puis les faces ils... avec ah, les pas... ouais. mais comme de, 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 de jouer ce niveau de performance on dirait que les rappeurs, rappers c'est plus juste des c'est plus juste des rappers c'est des c'est des performers si ça va plus... Il dépasse le personnage. I get it. I get it. Mais moi, je, moi, je parle... Quand je dis ça, c'est vraiment as a hip-hop guy. Tu sais mm -hmm. ce que je veux dire? Comme je respecte... Tu sais, même Kanye, il y a des affaires qui font que je trouve fire, mais que je veux pas écouter tout le temps. Mais c'est quand même fire parce que c'est unique c'est dans son vibe. Mais des fois, c'est juste comme Yo Kendrick. Il, est tellement, il peut tellement drop des bars des punchlines qu'il pourrait te faire une track genre... Euh, je sais pas, man, avec like un beat de whoever's hot right now, là, tu sais, puis « kill. Ah, ouais, ouais, ouais C'est ce que exact, je veux ouais, dire. Près ouais. 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 de faire 22 tracks qui durent deux minutes, que c'est que des bangers, comme... puis comme. Puis comme je t'ai dit, je respecte le fait qu'il dit non, je vais aller dans ce lane-là. Ouais, ouais. Mais des fois, je suis comme, come on. C'est quoi l'autre backseat freestyle, là, tu sais, comme All my life I want. Ces bah, ouais, ouais. track là là, c'est comme, yo. Ça me tend d'entendre ça des fois. On oh, <laughs> <laughs> oh, Mais comme que je disais l'affaire des, 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 des lyrics, tu sais, t'es un gars de lyrics, puis aujourd'hui, on dirait que c'est de moins en moins important, right? Dans, dans la musique, dans, quand, quand le monde écoute leur musique. Est-ce que tu trouves justement que toi, parce que tu fais des, des, des refrains des mélodies, des choses catchy, ça, ça passe mieux, genre ou? Moi, j'ai l'impression que depuis que je m'attarde particulièrement aux lyrics, c'est là que ma musique est écoutée. Ah ouais. Mais ben, étrangement, hum. vu que c'est tellement épuré, la musique que je fais, tu sais, guitare-voix, ouais. des fois je mets une coupe d'affaires, il ben, n'y a pas un show, il n'y a pas quelqu'un qui me monte un tatou. Avec tes paroles. D'une line. Ah ouais. Ouais, ou, ouais exact. D'une référence ou genre. Damn. Ouais, ouais. Puis comme tu sais, c'est fou. là. C'est quand même deep, ça. Mais je pense 100%. que c'est ça qui fait le replay value d'une chanson. Tu sais, au-delà. de le, le fait que quand les gens, même, ils cachent le texte puis ils se l'approprient. Des fois, les gens, ils me parlent de mes tunes Puis ils sont comme, hey, tu voulais dire ça. C'est pas ça, pas en tout que je voulais <laughs> dire. Mais eux, ils l'ont interprété. Mais c'est correct, je ouais. Ça t'appartient, tu sais. C'est ça que, que je remarque quand je parle aux artistes puis je leur dis quelque chose. Des fois, ils sont comme. Ah si c'est comme ça tu l'as vu cool Non mais je suis Mais c'est hein. oh. <laughs> hein. ça quand même le, le pouvoir de, de pouvoir faire une chanson puis que les gens se l'approprient puis qu'ils se disent qu'ils se mettent de se mettre dans la peau des gens Fax. Tu sais tu tournes pas autour des, des peaux tu vois qu'il y a du vécu derrière l'affaire je pense que c'est ça le charme un peu. Non, je pense 100%. que c'est aussi, aussi on, on parlait du YouTube Game et tout, l'authenticité. Je pense que la fragilité, les, des fois, les gens, ils, on veut tellement paraître parfait, sortir le clip, puis paraître tous les angles, puis ça fait trop maquillage. Peut-être que les ouais. gens aussi, ils t'apprécient parce qu'ils voient tes fautes, ils voient que tu sais, que es oh, sensible. Ça, c'est quand tu build, quand uh, tu grows avec ton, ton following, tu sais. Ouais, T'as-tu une, une chanson que t'as faite? Oh shit! Euh, non, excusez-moi, je me perds dans mes questions. Shout out Smoke Signals. Yeah, big shout out Smoke Signals. T'as-tu une chanson que, ou des chansons que tu préfères performer plus que d'autres sur scène? Euh, ouais, ben j'aime toutes les faire, mais euh, Broken, j'aime particulièrement la faire parce que, même le refrain, tu sais, à chaque fois que j'arrive au dernier refrain, j'arrête la tune. Je dis, là, je vous laisse chanter le refrain. Moi, je fais les chords puis je vous écoute puis j'essaye de comme. Être trop émotif. Puis là, je fais genre gling, man. Puis là, j'entends 1000, 2000 personnes chanter ça, man. Tu sais, c'est ultra simple, sais C'est fou, Quatre fucking phrases, là. man, à chaque fois, c'est un moment malade, man. J'enlève mes nœuds, là. Schling, puis le monde se met à chanter, man. Fait que, ouais, ces moments-là. Mais j'aime j'aime beaucoup. Il y a bien des tunes que j'aime. J'aime toutes les faire en réalité. Quand tu dis ça, tout le monde chante, tout ça, ça me fait penser, c'est comme un. Long way de, du Festival des Montgolfières quand tu l'as fait back in the day. <laughs> oui. Ouais, le Festival des Montgolfières, c'est devant le gars de son. That's Charlotte it. à lui. <laughs> oui, Charlotte. Puis, tu sais, aujourd'hui, ta famille, quand qu ils voient, exemple, tu sais, comme, je sais mm -hmm. pas si eux, ils ont toujours supporté ton, tes music dreams ou euh, comment qu ils voient ça maintenant? Parce que là, c'est vraiment en plein dans, dans le milieu de ton succès en ce moment. là yeah, euh, tu moi dans le fond, je faisais tout dans le sous-sol chez mes parents, tu sais, d'un début, comme euh, sais j'ai des vidéos que je suis dans le sous-sol chez mes parents en train de gratter de la guite. Puis je me rappelle que ma chambre est là, la chambre à ma soeur est de l'autre bord, puis des fois, elle était tellement écœurée de m'entendre, elle cognait <laughs> ah, dans, ouais. dans le mur, elle disait « Femme ta gueule Je <laughs> OK, là, il faut faire je me calme. Mais tu sais, mes parents, ils m'ont jamais... M'ont jamais dit de ne pas faire ça. Ils m'ont ouais. jamais dit Hey, là, c'est peut-être, euh, ce serait peut-être temps que tu essaies de faire de quoi qui fait du ouais. sens. Là. Jamais ils m'ont dit ça. Pis, euh, T'sais, par contre, mes parents c'est pas les gens qui se déplacent plus pour venir voir les shows ou whatever. Puis okay. ils sont venus au club soda. mon père a 73 ans, il n'est plus trop en forme. je suis tellement content qu'il soit là et puis qu'il puisse voir ce ben fucking oui, spécial là ça, wow. Shout out ouais. au papa, man. Yeah, shout-out à mon père. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que, ma mère, euh, ma mère est ultra fière. Elle check tout ce que je fais, toutes les entrevues à TV, radio. Euh, je vais à la Radio okay, à Shkoutimi, à, là. Ah, c'est sûr quand c'est un peu Shout out à ma maman aussi. Ben oui. Salut, maman. Fallait qu'on le dise. OK, mais c'est quand, quand même quelque chose, man. D'arriver Puis tu sais, même ça, je demande l'affaire de la famille parce que tu es un gars de terre bonne, je sais comment c'est. Family, family vibes. Puis c'est d'autres qui peuvent vivre un peu ce moment-là avec toi, man. Ouais, ouais pis, pis c'est un peu grâce à eux. Comme tu sais, ouais. là, si avec, toute ma vie, il avait fait, ouais, mais là. Euh, ben oui, 100%. Euh, le fait qu'ils qu t'ont pas mis cette pression de OK là, ouais, là, tu commences à. Straight euh, up. Puis ah, moi j'ai fait les euh, Francs ouvertes avec Smithy Bacali en 2018 c'est pas la même musique que je fais là là tu sais là c'était pas euh, c'était pas euh, family friendly ben ben tu sais ouais. mes parents ils étaient là dans la foule puis m'encourageaient, même s'ils savaient que c'était claqué au sol là ce que ah je faisais ouais, okay. mais ouais mais tu sais ils étaient là t'sais, on supporte c'est la puis, famille mm. tu sais des fois justement quand tu dis ça ça me fait penser des fois t'es tu sur un vibe de genre yo man ok je mets la guitare de côté là yo euh, je sais pas le producer frappe moi un beat là donne moi un instru puis tu spit juste des bars là moi ouais, man je me ferme aucune porte là. Ok. On ne jamais vient... ce qui peut arriver. Ok. C est, c est... Ça vient d'où le ukulélé? C'est euh, après avoir appris la guitare, j'étais comme, ben même, je pense que ça vient directement de cette époque-là, tu sais que j'avais pas de ukulélé dans le temps quand j'ai commencé copilote et tout. Puis euh, là, malin, j'étais comme ouais la guitare, euh, tu sais je vais pas pouvoir comme rené euh, comme toute ma vie là-dessus, fait que je me suis acheté un ukulélé. <laughs> parce que là je me suis mis à gratter ça, puis à l'apprendre avec YouTube. <laughs> puis euh, ouais c'est ça, puis j'ai fait mes premières tunes au ukulélé. Euh, dans ce, dans ce temps-là, 2020-2021. Puis tu sais, as dit, quand tu as commencé, tu avais commencé en anglais. Yeah. Puis quand j'écoute ta musique, tu as toujours des, des, des expressions, mm -hmm. des, des, du franglais, là, comme qu'on utilise ouais. ici. tas tu déjà pensé à dire, OK, je, <coughs> un projet complet en, France, euh, en anglais Jamais. Non Non, jamais ça va se donner, même que. Really Ouais, même que des fois, je trouve que je mets trop d'anglais. J'aimerais ça peut-être mettre plus de français, mais je trouve que c'est tellement catchy, l'anglais. Ben ouais, mais c'est pour ça. Moi, en entendant ta musique, j'étais quand même il pourrait faire quelque chose en, en anglais. Tu sais, je pourrais, mais en même temps, c'est ça, j'adore la langue française, la langue québécoise, même. C'est pour ça mm -hmm. des fucking... Ah euh... ben ouais, mon chum. Ah ouais, mon chum, <laughs> là, donc, <pas rire> minutes, là, hey, on va me ouais, ouais, deux minutes. On va se péter le J'ai pris un deux minutes. <laughs> non, mais je suis d'accord, mais genre, tu sais... Je sais pas, moi j'imagine quand que arrives à un, un certain niveau puis que ça, ça commence à grandir, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir peut-être des opportunités qui vont se présenter, non? De, mais dans tes datas, as tu euh, États-Unis un peu? Ou ouais, je pense, mais vraiment pas beaucoup. C'est ça, donc c'est aussi ça la donne que, mettons là, OK, là, je me fais « reach », puis là, hey, les States, ils aiment ça, ils vont aimer ça parce que c'est fait de même, puis je vais y aller de même. Autant que si en Europe, ça « reach », je ne vais pas aller changer mon langage pour faire plaisir au monde, tu non, c'est ça. Moi, tu sais, je ben, straight up. Les States, j pense pas que ça va arriver comme ça, mais dans le sens que. Hé, hey, dis pas ça. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. <laughs> non, ben, <laughs> mais mais tu sais, dans le sens, moi, c'est plus comme exemple. On parlait mm -hmm. de Steve Jolin. Là. Steve Jolin, il a un long reach là, à travers le pays. Tu comprends? Fait que peut-être que s'il voit un artiste qui pop dans le reste du Canada qui est un peu dans le même vibe, il pourrait peut-être dire Yo, bro! Drop une you know sais, Ma porte n'est pas ouverte, mais elle est pas, Lait, elle est pas fermée, prochain, mais elle n'est pas full ouverte. Brian Adams, you know, Mais en fait, s'il si, si fallait que tu, tu fasses une session de studio avec l'artiste de ton choix, mm. ça serait avec qui euh, Ces temps-ci, il y en a plusieurs, là, mais moi, j'aimerais beaucoup travailler avec Hubert Lenoir. Mais moi, ce que si j'aimerais. Oh, okay. Hubert Lenoir, j'aimerais y arriver avec des maquettes, faire comme toi, tu vois ça ou tu sais. D'amener un genre. <laughs> tu là, moi, je suis très pop, de l'amener lui dans un, son univers un peu, un peu plus funky, d'aller merger ça, j'aimerais ça. Euh, ouais, c'est ça. Okay. Pour répondre ben, vite, non, là, mais il y en a plein d'artistes. Puis si j'étais un touriste euh, français, un touriste qui arrive au Québec. Quelle musique, quel artiste québécois du folk oh, je devrais connaître? Ah, ok, mais là, il faudrait partir par les colocs, je pense. Là. Merci. Oh, <rire> oh. <rire> ouais. Comme <laughs> Ouais, Ouais, si tu veux, comme ça, avoir un, un bon truc là, qui existe et qui s'écoute très bien encore, Jean le loup avec, je pense mm -hmm. que c'est euh, classique. Ok. Yeah. Hey, je suis bon, man, quand même. Moi, mm -hmm. Je. J'suis... Okay. Yo, bon que, quand que je pense à ça, Jay Scott, il me rappelle de qui C'est comme le Soldier Boy du Québec. Let's go, The sure. first to do everything. YouTube. Le, le, ça a commencé à bomber sur YouTube. Ouais. Mais à place de Drake, ouais. ça va être qui Big shout out frère. Non, mais c'est oui. dope, man. I like, I like the journey, man. Plus que, plus que je l'entends, plus je suis comme damn, man. Mec, ça fait du beau. sens. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier Man, d'être mon propre boss, là. Comme mm -hmm. c'est malade, là, j'ai pas besoin de me lever le matin, aller travailler pour quelqu'un qui s'en calisse de quitter, dans le fond, tu sais. Ça, man, à chaque matin, c'est ma victoire, man, euh, depuis un an et demi et plus, là. Yeah. C'est nouveau, en plus. Ouais, ouais c'est nouveau, puis j'aimerais ça que ça reste de même, là. Fait tu t'habitues, euh, là, bon, là, tu commences à t'habituer euh, au lifestyle. Ouais, mais c'est beaucoup. J'ai jamais autant travaillé de ma vie en réalité. Tu sais, ça fait des, des putains de grosses semaines là, comme partout, des dix heures de pour se rendre faire un spectacle. Ouais. Là, mm -hmm. Mais ça, ça donne pas l'impression que c'est du travail. Exact. T'sais. Tu fais ce que t'aimes. Exact. Bro. Fait que c'est vraiment. Quand tu euh, le bague après, c'est nice. Là. Yeah, exact. T'es-tu quelqu'un qui a beaucoup voyagé Pas en tout. J'ai jamais pris l'avion. Je vais prendre l'avion pour la première fois de ma vie pour aller aux îles de la Madeleine oh! la semaine prochaine. Oh! <laughs> yeah. Ouais. Mais moi, j'ai jamais eu de cash dans ma vie. Là, comme j'avais... Exact. Tu sais, comme, pis mes parents, ils étaient pas full fortunés. Fait qu'on faisait pas des voyages. Mm -hmm. Comme, tu sais, moi, mon argent, j'allais pas aller la mettre dans un voyage, j'avais 2000$, là. Mm -hmm. Fait que, ouais. Aux îles de la Madeleine. Yeah. Ouais, dans <laughs> un petit Christ d'avion chez moi. Et Sharon qui est en train de demander, c'est quoi les îles de la Madeleine? Euh, c'est quoi exactement? <laughs> c'est fucked up, les îles. Genre d'aller vivre ça, mais il paraît que c'est nice, man. C'est dope, ça. Okay, okay. As oh, tu... Non, mais t'es-tu choc un peu de l'avion? Non, t'es-tu comme, oh, C'est ça qui arrive, je vais l'apprendre, là je suis comme, okay. tu sais je pense pas hein. là, tu sais. Mais que j'arrive là, que je mette les pieds dans le truc, puis que ça shake de même, puis je suis genre, <laughs> <laughs> peut-être que je vais pogner un, deux minutes. Ouais. Mm -hmm. <laughs> Expression Autre of the demi. day. <laughs> non, mais c'est dope, man, c'est dope. Puis, est-ce que tu fais encore des beats? Ouais, man. Genre? Ouais. J'me, là, dans le fond, sur scène, maintenant, j'ai un Ableton Push 2. Oh, ah, OK. fait que je tric des clips, en même temps de, de faire des tunes. Puis, euh, ouais, moi j'adore Prod, puis je vais continuer à Prod encore euh, d'essayer de plus en plus à les mixer les deux ensemble. Là. Très dope. Si tu, pourrais, si tu pourrais avoir un album produit par n'importe quel producer. Euh, ben moi, ça serait quiet Mike, c'est sûr, là, Michel Silencieux. C'est oh OK. Mais Big shout-out. Puis tu sais, je dis pas ça parce que comme euh, c'est un frère, là, je dis ça que depuis le début, ce gars-là, je trouve que c'est Prod, ça joue, tu reconnais tout de suite que c'est lui, man. Comme je peux te dire, comme yo, c'est Michel qui a fait ça, man. Fait que juste à cause de, son, de sa signature, man, Michel, 100%. I respect it. I respect it. Puis ici, si je te dirais au state, c'est-tu que quelqu'un au state, genre? Je connais pas de temps, man, les, les, les producers. Ah, Kenny Beats. Kenny Beats? Eh, yeah. tu sais pas c'est qui Kenny Beats? Non. Yo, ok, il va falloir que t'ailles foutre The Bip Crave, man. C'est des épisodes sur, euh, ouais. sur YouTube. Là. Hey, je t'adore de m'abonner sur Crave, là. Tout, tout ce que je veux regarder. Non, oh, mais ces épisodes s'appellent oh. The Crave. Oh du coup, quoi? Je, connais pas. je connais pas, connais pas c'est quoi. Non, the Cave, je m'excuse, c'est The Cave. The Cave. T'es dans la cave avec Kenny Beats, il reçoit des artistes, puis il fait un beat straight up, puis il fait une prod, genre. Ah ouais? Yo, tu... je te jure, tu vas me remercier. Kenny Beats, okay. The Cave. Oh, je vais aller regarder, je vais te remercier aussi. Et tous les gens qui regardent ça, remercie ouais, nous savoir euh, okay. dans les commentaires. Gros gars, man. Gros, gros gars. Hum. Si, si tu pouvais aller faire un show n'importe où au monde, ça serait où? Euh, bonne question, man. Euh, je pense que ce sera en Haïti. Wow! Yeah! J'aimerais beaucoup ça, man, un jour aller en Haïti. Pourquoi en Haïti? Je sais pas pourquoi, si J'avais des amis dans le temps, haïtiens, man. Haïtien, man. J'ai côtoyé euh, à SQDC, le garde de sécurité, c'était un haïtien, man. Puis lui, il était... Euh c'est quoi déjà Il était comme il représentait Port-au-Prince genre là bas, puis comme ici il était fucking gardien de sécurité, mais là bas c'était un homme politique. Puis je suis comme mm -hmm. yo c'est trop fucked up qu'ici même. Mm -hmm. wow. Comme on encourage trop pas les métiers genre tu sais comme d'ailleurs. Fait que il m'a tellement comme donné des hints comme sur Port-au-Prince parce à quel ah, point c'était beau. Ça. Puis il me montrait genre des euh, des vidéos de drones genre que lui avait filmé comme pour le tourisme. Crazy. Mm -hmm. Fait que ouais man j'irais là bas. Euh, ok easy. J'ai une question. C'est quoi sur le rider de, de Jay Scott <laughs> quand il fait un show genre qu'est-ce qu qu'il veut dans, le, dans sa dans sa loge euh, moi je suis tu euh, genre bah euh, bon, non sérieux comme c'est marqué dans le rider mais si n'y si a rien là ben non, 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 on veut plus <laughs> non mais moi first je suis végétarien ça fait six ans Oh, shit. il n'y a pas de viande dans ma loge ok, okay. Euh, il y a Un petit plateau de fromage Oui, exact des petits plateaux de fromage euh, mm -hmm. sinon euh, des petites crudités, ben oui, c'est sûr. Euh, J'aime bien avoir une euh, petite bouteille de vin pour mon Sandman. Shout out, fucking right. Yeah. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Ouais, ça ressemble. J'ai assez standard, okay. je te dirais. Là. Okay. Ouais, rien d'extravagant de, tant que ça. Un paquet de backwood. Ouais, un paquet même de pas. backwood. Ouais, même pas. De l'huile de la SQDC. Ah. Oh. Des petites huiles comestibles quand que les gens, ça, ça les intéresse. Des pilules de CBD de la Exact. SQDC. Moi, je prends tout ça, ouais. Ah ouais. Pas de THC, non ben, ouais, tu sais, vous pouvez m'en donner, mais ces temps-ci, euh, moi, mon vibe, là. OK. Ouais, moi, et mon vibe. Ça OK, dépend, fait que quand tu ça. travaillais, là, t'étais-tu comme un. T'étais jamais un weed connaisseur, genre. Au contraire, je connaissais le shit, mais c'est pas parce que j'en fumais à tous les jours, tu sais. C'est okay. juste à force de baigner là-dedans, puis de, de me renseigner sur les strains, puis comme, tu sais, de, de voir les profils de terpènes, puis euh, qu'est-ce que ce genre de terpènes-là amène, tu sais. C'est juste qu'à la SQDC, tu peux rien dire. Fait que t'as beau avoir un gars qui veut en apprendre vraiment... davantage, tu peux mmh. rien y dire. C'est tellement weird comment c'est fait. Yeah. Moi, ça, quand je suis allé, je suis allé juste pour voir comment c'était. Je suis rentré, je me sentais comme si j'étais. j'allais faire, <laughs> faire mon permis J'allais de conduire. Il y a des pamphlets de parfumés. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est une vieille madame. Peut-être que peut je suis pas allé à ton comptoir, là, mais c'était une vieille madame. Euh, elle <laughs> connaissait pas trop ça. J'étais comme, OK, maintenant, je Je peux toujours voir? Non. Je vais donner le conseil à tout le monde là, pour les gens qui vont à SQDC. Si tu à y aller, va toujours à la même puis va toujours voir le même gars. Comme ça, tu vas créer un lien avec le gars. Rapport. Un rapport. Maintenant, ce gars-là, il va s en, s en crisser du cadre. Il va juste te dire, hey, cette semaine, ce train-là est rentré, est il est ça nouveau, que as tu as des bons reviews. Man, okay. Tu vas tripper là-dessus. Là, là il va... Ça, ça va devenir ton boy. OK. Yeah. Ton pusher personnel. Est-ce qu'il décide, man? I don't know about or, Moi, c'est SMOK, SMOK, smoke signals all day over here. <laughs> Mais yo, euh, tu as dit que tu rendu végétarien. Yeah. Qu'est-ce qui t'a fait décider de faire ça? Euh man, moi j'ai jamais été un fan de viande à la base, comme tu sais, de la cuisiner et tout ce, ce genre d'affaires-là. Fait que je me suis même renseigné là-dessus, puis éventuellement, man, j'ai appris euh, comme six recettes VG, puis je me suis lancé, man. Ah ouais. Mais, puis, tu vois-tu la différence? Comme C'était quoi la, les grosses différences que tu as remarquées? Bro. C'est que moi aussi, j'essaie okay, de couper. C'est tough, temps. bro. La flore intestinale maintenant est on point, là. Mais euh. <laughs> <Okay>. La flore <laughs> La flore intestinale. Sure. <laughs> Moving on. Ouais, ouais. Euh, mais euh, <laughs> non, c'est ça. Moi, je le sens juste dans mon énergie, bro. Là. Je te jure, là, comme. Ah ouais, ouais. euh, c'est ça que tout le monde dit, l'énergie. Ouais. C'est la première chose que j'entends souvent. Ouais, exact. Moi, straight up. C'était tough, man. C'était pas tough quand. C'est ça qui arrive, man. Les gens, ils croient que être vegan ou végétarien, c'est se retenir de quelque chose. Mais moi, je me retiens. Fuck all, là. T'avais un gros steak, là. Je serais pas comme en train de me dire, Ah, euh, oh, man, oh, j'aimerais beaucoup goût. avoir une bouchée, là. Je suis comme, non, man, moi, ça m'intéresse pas, tu sais. Ok, t'as un steak, là, man. Tu triches pas, des fois Jamais. jamais man. Man. Non. non. T'es genre, il est 3 h du matin, t'es sous, t'as pas un Big Mac. Jamais, man. Jamais. Jamais. <laughs> je te jure, non, mais c'est pas de quoi qui m'attire, man. Ça m'a. Comme, <laughs> je suis content de plus avoir en en Ok. En manger. okay. Je veux pas disperser ça. Je au steak, c'est ma fête. on s'en va au steak frites, tu prends quoi Tu prends la salade César. Exact, man. Il y a toujours le putain d'option Burger VG. Moi, je suis le gars qui mange la. Big He's that guy. Yeah, le Burger VG. Parce que, bro, je sais pas, man. Moi, on dirait, que c'est tellement tough, une transition difficile. Tu sais, exemple, late night, tu veux manger quelque chose. C'est quoi qu'un bon veggie snack, genre euh, ben mettons là Vraiment de quoi de crasse Que moi je mange souvent Comme quand, quand il est tard C'est les euh, Beyond Meat Du euh, IW là. Ah ouais Yo ça c'est C'est le shit T'as déjà essayé J'ai jamais essayé Jamais essayé les Beyond Meat Non jamais essayé Moi oh, je... c'est Mama Burger <laughs> Ah ok Toi c'est Mama Ok La grosse blog du IW <laughs> Mais c'est fucking bon Le IW Sauf que Ouais c'est ça man Moi je pense que Tu sais sans Sans comme changer drastiquement Dis-toi man Une journée par semaine je me fais un souper, pas de viande. OK. Réduire ah, sa consommation de viande, viande over, plus d'en manger, man. C'est vraiment un bonne, bon, euh, bon non, non, je vais essayer, man, for real. Essaye ramadan après. On verra. Tu déjà essayé de faire un jeûne. J'ai déjà été dans le jeûne intermittent, type shit, là, mais jamais, tu sais, comme une journée complète, mettons. Oh, même pas une journée complète. Non, jamais. Tu devrais essayer. Sérieux, en plus, on dirait que c'est genre mon genre de shit, man. Ça doit comme te. T'as recentré un peu, man, je sais pas. Après ça, t'es sérieux pour nous? La flore intestinale, elle va être. <laughs> euh... Ah ouais, ah ouais. <laughs> Yo, quand j'écoutais le, le projet Rapkeb, euh, j'ai vu qu'à un moment donné, il y, y a un skit où est-ce qu'on entend l'affaire la, d'Anima et Kegoon. Le... Donne-moi 100$. T'as pas 100$? Ouais, t'as pas 100$. Puis j'étais comme. OK, man, il voit tout ce qui se passe, genre, tu sais, comme... Ben oui. T'es-tu toujours un, un fan, d'exemple, de, de qu'est-ce qui se passe ici, du rap québécois, du rap montréalais? Ouais, je check qu'est-ce qui se passe, euh, tu sais, je suis pas ardu, genre, d'écouter les tapes, euh, comme, sans arrêt, mais, tu sais, euh, mettons, le Loud, il sort un tape, je vais l'écouter, euh, tout Com, le monde qui sort un tape, trouvé généralement. Le dernier tape euh, on embarque là-dedans, ça me dérange pas, mais ouais, correct. OK. Non, non, mais je trouve que c'est beaucoup du rap qui parle du rap. ok. <laughs> C'est du rapper's rap, genre. Ouais, exact, exact. Tu sais, moi, ça, je connecte moins que, mettons, dans, dans le temps, là, tu sais, son autre tape qu'il a faite. Euh, c'est quoi, un année record? Ouais. un année record, ça, tu vois, moi, ça, ça m'avait vraiment parlé. Même le EP New Phone avant. Quand ça s'est sorti, j'ai fait « holy shit ». Là, vraiment, c'est du rap de rap. Ça m'intéresse moins maintenant, là. OK. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce qui est sur ton playlist? Euh? De rap keb Ouais. Euh, ben moi, je suis un grand fan de Saint-Sucré. Je ne sais pas si vous le connaissez. Yeah. Ben oui, ben oui. Yeah, oui. Ouais. Il vient souvent son nom, c'est fou. Saint-Sucré, this thing. Il vient de sortir un projet avec euh, ouais. Chab. Oui, exactement. Que... Ouais, tout produit par, par Chab. Avec ben, Chab. Il a sorti, ouais. Ouais, il a sorti ouais. plein de projets. Yeah. Là, ben il n'arrête ouais, ben pas, oui. lui. Ouais. Moi, euh, je suis là-dessus souvent. J'écoute ça. Surtout Jenny Cassette, là, qui est comme son meilleur tape, si ouais. d'après moi. Ouais. Euh, à part de ça, man, euh, ouais, c'est ça, Greenwood, je sais pas si vous connaissez. Oui. Un jeune qui fait un petit peu du Yo, emo rap. Je l'ai vu, je ai vu à, à Metro Metro, actually. Ah, t'as vu, vu le show? Ben, parce que Moi, je hostais Metro Metro ouais. sur le main stage. Yeah. Il y avait une journée, ben, on avait le choix de quelle journée y aller, y aller sur le deuxième stage, puis il y avait comme une genre de compétition avec plein d'artistes. Euh, puis Greenwoods was there. Puis je pense que c'est lui qui a gagné, même. Pis Let's go! Ben ouais, c'est vrai, il a gagné. Il va, ouais. il va être en perfo l'année ouais, prochaine. Ouais, God Joliette, un yeah. petit jeune Joliette doing his thing. Ouais, puis il y, y a son crowd, il y a son following. Pis tout, là. Straight up, man, moi, tu sais, ce jeune-là, genre, c'est vraiment très euh, TikTok, genre, tu sais, comme le, le New Wave, okay, c'est les jeunes qui sont ouais, sur parce TikTok. parce que quand je l'ai vu, je, je connaissais pas. Puis je pense que je l'ai sur IG, puis tout. Puis j'ai vu que, okay, il y a un petit buzz là qui se passe tu sais yeah. puis je connaissais pas du tout man c'est vraiment je pense euh, nouvelle génération de rap un peu plus euh, auto plus émo genre la vie ça va pas bien puis comme ça on chante un peu plus ok moi j'ai juste vu qu'est-ce qu'il a fait mais comme c'était nice son show était nice yeah. puis je voyais comme ok man maybe this guy Soit embarqué dans le TikTok game ou pas ah euh, oh, pis... man ça c'est tough question là quand même là. TikTok c'est nice mais la grosse nuance avec TikTok c'est que le monde qui te suit pas peut voir tes shit. Tu, sais. okay. tu te ramasses dans le feed de n'importe qui. OK. Fait que ça t'amène n'importe qui 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 commente sur tes affaires genre. Contrairement euh, à sur Instagram que les gens que tu suis, y a un algorithme. Exact. Instagram tu les suis, tu les aimes, tu vas regarder ces trucs, tu l'aimes pas, tu le suis pas, tu le verras pas. Ok, ouais, mais ils, ils disent que c'est vraiment comme, tu l'industrie de musique, tout, même les labels, ils font des deals avec TikTok, tout, fait que c'est comme ben, quasiment une yes. nécessité d'en il avoir. Ils risque un. de devenir même un label ou une maison de... Ils sont sur ce ben niveau. -là. Oui, parce que ça fait, ça fait blow-up tellement de chansons, ouais. ouais. C'est logique, ouais. non, mais êtes-vous sur TikTok, vous, en tant que... Non. Non, oui, allez, ]ateur? follow 11 MTS. Euh, oui, 11 Oui, oui, mais moi, je suis là, mon gars. Ah, okay. mais, tu, mais vous ne le checkez pas, genre. Comment d'être de, régulier dessus. Ouais. Non, je suis pas à, à ce point là encore, tu sais. Yo, il y a un gars. I'm trying to do man. Je veux juste faire un. C'est downloadé, la hack, je j'ai pas. Un gars de section d'assaut, il a fait un duo avec le freestyle de Yassi Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ok, ça, c'est TikTok. Ça, c'est par hasard. Big Charlotte, par hasard, Elle m'a dit, yo, active tes duos quand tu fais ton TikTok. J'y connaissais rien, bro. Like, je me sens vraiment. Je commence à me sentir OK, ça, c'est quelque chose que tu peux être side by side avec une vidéo. Yeah, tu peux replay à une vidéo et être dessus en même temps, genre. Ok, c'est ça. Parce qu'il y a un rappeur français qui a fait ça avec un artiste qui a fait un freestyle ici sur Patreon et en même si vous voulez voir des performances exclusives ça se passe sur Patreon mon boy va faire une performance sur Patreon charade de la famille yeah mais c'est ça mais le c'est le le TikTok game c'est ça big facts tu devrais checker je pense que je vais en créer un man je vais en créer un man je sais pas bro non mais c'est parce que le truc avec TikTok IG this that la vraie vie yo c'est tout là bro tu sais ce que je veux dire? Ça, un bon point que t'amènes la vraie Fuck, vie aussi, bro. ça existe encore. Yeah, bro, sinon tu restes plugé sur ton... Ok, j'ai un message sur TikTok. Oh, j'ai ça sur IG. Oh, il faut que je poste là. Anyways, man. It is what it is. Ça, c'est peut-être que mon côté old head qui parle, mais c'est correct. Yeah, mais j'adore TikTok. Je te jure. L'algorithme est tellement fire, man. Tu vas passer 20 minutes là. Il sait t'es qui, il sait qu'est-ce que t'aimes. Il va être capable de te hook pendant une demi-heure. Je me sens que si je vais être sur TikTok, je vais juste voir des vidéos genre d'un gars que... Une boulette de viande. Je suis plein de fromage. un huge <laughs> burger. OK, bro. pas besoin de voir ça, va Ça va, être, être, ça va être des vidéos de femmes, toi. Ah, ben, OK. Ben, ça va être des bien. burgers et des. À J7 Official, you already know. <laughs> <laughs> um, <laughs> euh, <laughs> moving on. <laughs> euh, si, 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 exemple, je te dirais, euh, tu sais, là, tu es vraiment là, tu es en train de bomber, tes affaires commencent à partir, puis je te le souhaite pour plusieurs années. Est-ce que tu te vois peut-être faire quelque chose d'autre dans l'industrie musicale? Euh, j'aimerais euh, réaliser des albums comme directeur artistique genre ouais ou juste genre comme per tu m'assois as avec un artiste il y a ses tunes puis là on les ok vraiment okay, toi puis okay. l'artiste genre ouais moi j'aimerais bien ça un jour réaliser Dope. un album pour quelqu'un ok ça serait, ça serait quel genre de, de, de musique euh... -tu dans, dans ton style plus hip hop plus rock plus... j'aimerais peut-être tu sais un doute vraiment hip hop Genre, hey, quelqu'un qui n'est pas, j'entends, hook ou. Euh, tu sais, qui est vraiment comme Yo, moi je fais des bars, pis là, d'aller structurer ça, pis faire les chansons, genre. Un gars un comme Saint-Sucré. Saint-Sucré, genre, ou caso. Oh, ça serait okay. N'importe qui qui a des gros bars. OK. Ouais. OK. Moi, je t'aurais vu où c'est acteur. T'as l'air d'avoir un, <laughs> un acting. Podcaster, acteur. Yo, je veux rajouter ça dans l'intro, man. Mais ça, on c'est jamais, Autant là, on dirait, ça, ça peut arriver, ça, sur un. Des rappeurs qui ont fait ça, devenaient des acteurs. Mais en même temps, moi, c'est pas de quoi qui m'intéresse. Moi, je veux faire de la musique. Lâchez-moi avec, euh, avec des affaires d'aller de, prendre des photos. Là. Ah, non. Je t'aurais vu à l'île de l'amour. Parce ah, va oh, pas voir À l'île de l'amour. <laughs> Shout out Ariel Trophy. I see you, girl. It is what it is. T'as-tu embarqué dans la mode des NFT? T'as-tu un gars qui a eu le. Fear, fear of missing, missing out de ça ou t'as fait. Ou la crypto, pis là, tes, tes pistes là, en ce moment, genre, non? La crypto, je suis chaud depuis vraiment longtemps, ça. Comme, ah ouais? ouais, ouais ça, c'est quoi qui m'a toujours intéressé depuis 2016, man? Comme oh, check shit. les shit, là. Ouais, mais. Euh, là, es tu as un peu piste euh, de qu ce qui se passe ah, parce que là, Moi, je me dis, man, euh, je vois ça dans 20-30 ans plus que là. OK, ah, ok, fait que t'es pas, t'es un long term. Ouais, moi, je m'en. C'est comme C'est le temps de mettre du cash, là. C'est là que ça se passe. Mm -hmm. Mais. Euh, Ceci n'est pas un, ouais, il pas un euh, non, non, vraiment advisor. Non, pas Vraiment ça fait que ça pas. C'est le temps de mettre du cash. <laughs> Mets toutes tes finances là-dedans, ça va marcher. Mais euh, non, c'est ça, NFT, ça n'a juste pas à donner. Tu euh, sais, pas que je crois ou je ne crois pas à ça. Là, mais euh, il va toujours avoir des nouveaux waves de trucs de même, je pense. Fait que, ok. T'es-tu un gars qui, qui, qui est plus resto ou qui est plus euh, je fais mes veggie meals à la maison? Ça dépend. Ces temps-ci l'été ça roule ça roule pas peu. fait que je suis plus euh, je commande du resto là, mais généralement j'aime bien ça cuisiner mes shit là. Okay. Ouais. moi j'aime ça aller à l'épicerie, ramasser mes affaires, faire ma petite bouffe chez nous. Il y a pas de hey, J Scott, hey, je te connais, prendre photo de plus en plus. Mais t'es arrivé d'un fois à Radune, justement, mais ça m'arrive de plus en plus mais c'est tellement tu sais. C'est bon Ben ouais, ouais. Hey, j'aime vraiment ce que tu fais, je pas pour faire hey. Je suis en train de choisir mes mini-weeds, <laughs> laisse-moi tranquille. <laughs> As-tu quelque chose que tu aimes collectionner As-tu déjà collectionné quelque chose C'est une excellente question, ça. À l'époque, euh... maintenant, c'est les choses. Ces temps-ci, je suis vraiment dans acheter des souliers sans jamais les mettre. Là. Puis là, j'ai des regrets à chaque fois, je mets beaucoup d'argent dans une porte. Tu portes du combien du, euh, entre 9.5 puis 10. Oh, je suis là, man. <laughs> oh, shit, okay. Je, je, OK. Moi, je me demandais je, la question, ça je... en allait où, tu sais. 9.5, <laughs> OK, parfait, ça me fait. <laughs> you can pass it over here, dog. <laughs> Mais tout le, le verbe de posséder des affaires, on dirait que maintenant, je suis comme, je sais pas, man, c'est fucked up, ma relation avec les objets, puis comme avoir plein d'affaires chez nous qui me servent pas grand-chose. Ça a-tu grand changé, comme t'étais-tu, tu voulais plus d'affaires avant, puis maintenant que tu peux les avoir, t'es moins intéressé Ouais, ben mettons le stock de studio à l'époque, mm -hmm. je voulais tout acheter, là. Puis à stock, je suis comme, ben j'ai un keyboard. Juste que j'ai besoin. Exactement, ouais. j'ai l'impression que moins tu as stock, de stock, plus tu vas être productif, ah. Mais euh, ouais. C'est parce que des fois, on dirait, c'est comme si on mettait la faute sur, ah, oh, c'est parce que j'ai pas le bon mic. J'étais exactement de même. « Ah, yo, ok, j'ai ouais. ça so... ah c'est parce que, oh, ma carte de son, tu sais, elle n'est pas, ma carte de son longue. Ben ça, c'est ah, comme ouais. les gars qui sortent jamais ouais. de musique, tu comme, oh, attends, le... Ouais. le violoniste, il rentre la semaine prochaine. <laughs> ok, là. Ah, là. Ah, je te dis, man. I don't know man. T'es ouais, pas. Je vais pas revenir là-dessus. C'est du perfectionnisme, moi. Ouais, Il faut apprendre à. Je pense qu'en tant qu'artiste, aussi, c'est d'apprendre à let Go aussi or Exactement. Exactement, man. man. Ça là, c'est la règle numéro un, j'ai l'impression. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est jamais toi qui décides si c'est bon ou pas. T'as beau penser que c'est la meilleure track, la meilleure chanson de l'année, là. Oh, c'est l'Internet qui va décider. Même avec Copilote, c'est comme si tu n'avais jamais sorti ça, il jamais tu n'aurais jamais.. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est le fait que tu l'as mis dans, dans l'univers ouais. que des choses peuvent arriver. Exactement. Tu ouais. sais. Puis on vit aussi dans une génération où, tu sais, ce n'est pas pour envoyer des shots aux jeunes générations, mais okay. en ce moment... Non, shots, mais... fire! C'est <laughs> <Non. Non. rire> Mais c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui aspirent à... Leur but, c'est d'être une star. dit ah, moi, je veux aller viral. Et des fois, ils, ils, ils oublient le processus et tout. Donc Alors que, est-ce que toi, c'était ça, en grandissant, est-ce que tu t'es toujours vu comme, ah, je veux être une star Parce que je pense que le, le rapport au succès a beaucoup changé. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toute la, 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 la phase qu'on vit de technologique, le, le, tu sais, je ne je, je pose pas de questions, whatever, mais tu sais, on dirait que le, 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 la définition de succès de make it a totalement changé donc ma question est-ce que toi en grandissant tu t'es toujours vu sur la scène en train de chanter ou quoi que ce soit ou c'était juste un, un pur passion juste un hobby je sais pas je me perds dans ma question C'est toujours je... ton rêve d'être euh... je comprends exactement ce que tu veux dire yeah, my bad. mon rêve c'était de faire de la musique. T'sais. Moi, mettons, je, je me rappelle quand j'étais jeune, je me visualisais sur scène à faire des tunes. Okay, ouais, je okay. t'amisais la, la lumière chez nous. là, J'avais 12 ans. Oh, là, ouais, là j'étais dans ma chambre, j'étais comme là. Oh shit. Là, t'sais. Mais par <laughs> contre, le tru un truc que je suis vraiment fier, c'est d'être connu pour ma musique, puis non pas parce que je suis faire euh, l'amour est dans le prix. Puis là. Mm -hmm. là, après, j'ai fait Eh hey, ben, je peux aller me chercher des, des, du monde pour qu'ils écoutent ma musique. Mais mm -hmm. ben, maintenant, chaque personne qui me suit, c'est à cause de la musique que je fais. T'sais. Fait que je pense que... Ouais, c'est ça la nuance que je suis comme... Totalement, man. Je suis comme super content de ça, mais j'ai jamais cherché ça puis pas le truc qui ce me... c'est pas le truc que j'aime le plus. Là, moi, si je pouvais habiter dans un chalet et euh, faire mes tunes sans croiser du monde, je serais bien content. Souvent, c'est comme ça, man. Tout, tout le monde qui... Tu sais, comme qu'on parlait des chansons qui deviennent des hits ou des... Souvent, c'est du monde qui sont comme Ah, oh, man, mm -hmm. moi, je, je... c'était un hobby où je le faisais parce que mm -hmm. j'aime ça. » Puis à un moment donné, une chose mm -hmm. lit à une autre, puis là-dessus. C'est là, parce qu'il ouais. y a une phrase que j'ai entendu une fois puis que j'ai beaucoup aimé, mais c'est « It's not all about yourself ». Puis des fois, je pense que les, les jeunes, ils se mettent une pression à être trop parfaits parce qu'ils pensent... Tu sais, le succès, il ne va pas passer juste parce que tu es beau, parce que c'est à propos de toi ou quoi que ce soit. C'est à cause de, de, de comment tu fais sentir les gens. C'est beaucoup à propos des gens. Donc, il faut connaître les gens. Il faut être un peu... Les écouter, quoi que ce soit. Puis... Je pense qu'on est pas avec une jeunesse où que, comme ils manquent d'attention puis ils vont toutes sur le, les réseaux sociaux ils s'attendent toutes à être ben, Je pense parce que, que, que c'est ça. ça, là c'est la mode là. Tu sais, ouais, Tout le monde ouais. va aller viral, tout le monde veut. Mais à la fin, man, tu sais, viral tu vas être hype pour une semaine jusqu'à le prochain qui va viral, tu comprends Tandis que si tu c'est un slow burn à travers des années à travers des années, bro, le monde il build un attachement à la même façon avec les podcasts. Shout out aux gens que c'est leur routine le dimanche matin, Facts non, 5, man, salut, <laughs> mais comme. À un moment donné, tu t'attaches à ça, devient dans ta routine. je pense que c'est là que ça compte vraiment. Viral is fun, mais c'est temporaire, d'après moi, en tout cas. Ouais, mais je pense aussi que les gens maintenant s'attachent aussi beaucoup à la personnalité des gens. Exact. Tu mm -hmm. comme vraiment les gens, on dirait qu'ils qu déguisent ça. Tu sais, oui, mettons, ils écoutent ma musique, mais je pense qu'ils aiment que justement, je viens ici, je fais des petites jokes après mes vidéos, je fais les, oui. des petites blagues en spectacle aussi. Ils doivent avoir Juste plein de gens qui quoi. ont des inside avec toi, que tu es Oui, ah, mm -hmm. ils checkent toutes mes vidéos, genre. Ben, c'est ça, exact. Puis je pense que tous les artistes qu'on connaît là, ou à peu près, les gens aiment aussi leur personnalité. T'sais. 100%. Il yeah, ne faut ouais, pas avoir peur d'avoir un vécu. Faut pas avoir peur d'avoir une job, puis de, de vivre, puis d'être quelqu'un qui existe. Ouais, Il y en a des fois, ils ouais. se mettent une pression, ils sont comme... Ah, oh, yo, bro. Eh. Oh, il faut que je sois une superstar. Je peux pas quelqu'un Travailler pas que quelqu boit, ouais, dans au McDo, c'est correct, man. Fais ton chemin. Yo, et... it is what it is. Yo, yo there's no shame in no work, man, à la fin de la journée, man. Respect à tout le monde qui travaille. Puis tout le monde qui grind pour arriver. À où est-ce qu'ils veulent arriver, man? C'est tout. It is what it is. Check mon boy Jay Scott. Il parlait de la SQDC. Il y a son affaire d'intervenant de, 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 de quand il fallait qu'il garde le bouton de sécurité. I know. I know. I follow the stories. <laughs> Mais, tu sais, puis il n'y a pas de shame dans qu ce qu'il dit. Puis à la fin, c'est pour ça que les gens, ils relate, bro. Parce mm -hmm. qu'il est comme tout le monde. Bon. Yes Il I think, I guess. Ah, non, mais 100%. <laughs> puis, tous les autres artistes aussi, c'est de même. Là. Ben oui. T'sais, ils ont tous leur, leur backstory à leur manière. mais c'est pas, pas venu du jour au lendemain. pas là. tout le monde est, est aussi transparent. Puis, je pense qu'en étant ouais, transparent, ouais, c'est ouais. ça qui aide euh, aux gens de connecter avec toi. Tu sais ce que je veux dire? Puis, en parlant des gens qui regardent, puis les jeunes qui, qui, qui veulent suivre, disons, dans tes footsteps, qui voient ton journey, ce serait quoi tes, tes, tes meilleurs conseils que tu pourrais donner? Lâche pas. C'est juste ça, mm. J'aurais pu lâcher 100 fois. On en connaît tout du monde là, qui était à ça. 100%. Puis que ah, ils ont lâché parce que là, un moment donné, ben, là, ils ont acheté une maison, puis là, ils ont eu deux enfants. Fait que là, ça a fait en sorte que là, ben, un moment, c'est si le choix à faire, la vie. Ouais. C'est bien plus important. Puis, oui, là. Mais euh, Puis aussi, comme tu dis, de le faire parce que toi, t'aimes ça. Là. Moi, s'il n'y avait personne qui écoutait mes tunes, genre, quand personne n'écoutait l'écoutait, je la faisais là, pareil. T'sais. Là, maintenant, les gens l'écoutent. Mais j'en faisais quand personne n'écoutait parce que j'aimais le, le faire. Mmh. Oui, 100%. Fait que fais-le pas pour être connu, mais fais-le parce que tu as besoin de faire sortir de quoi. Là. Peu importe c'est quoi ton art, là, ça peut être de, de la peinture, de la danse, euh, jouer aux échecs, le whatever. Comme, mmh. Tant que c'est ça qui te fait sortir de ton euh, exact. quotidien. Exact. Puis tu peux faire partie. C'était un peu ça que je voulais parler tout à l'heure. Tu dis, on parlait de pop, de rappeur et tout, de faire la différence. Mais on a tellement. Les rappeurs, whatever, ont besoin de ça. Ils ont besoin. On a besoin d'être plusieurs euh, branches, plusieurs bulles. On ne peut pas tous faire la même affaire. Et Donc, non. même au niveau d'artistes, tu peux être le gars qui fait le, le plus beau soudeur. Tu peux être un soudeur super malade. là Tu peux être ami avec. Tu peux être dans le rap game parce que tu as réussi à faire ton, ton sou soudage game euh, po populaire. Tu comprends? Mais tu sais, c'est vrai. Tu peux être. Euh, si je prends la, 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 la profession n'importe laquelle, il ne faut pas avoir peur de, de se diversifier et de. Multiple revenue streams, baby. Exact, man. Bref, c'est vrai. All on est rendu à 1h25, moi je commence à être bien buzzé. On, on va <laughs> aller au Patreon. On va au Patreon. Big love à tout le monde qui regarde, bien sûr, mais aussi pour les prochains mois. Dis-nous dis qu ce qui s'en vient pour Jay Scott. Parce que il euh. y a beaucoup de dates de concerts, il y a-tu des projets? Explique-moi. C'est énormément de spectacles fait que ouais. les prochains mois c'est vraiment là je m'en vais partout au Québec je fais des spectacles avec le monde les gens sont incroyables merci pis -là, ça ça n'importe qui voir des spectacles là, de mettre de l'argent dis-toi là ces gens-là man ouais. ils ont travaillé là, leurs 40 heures semaine là. il y en a qui se sont fait chier ils ont travaillé ils Venant ont un pris... gars qui l'a fait ouais ils ont pris ce 30 pièces là ce 20 pièces là <laughs> ils sont sortis de chez eux ils sont allés au restaurant avant ils ont mis 20 pièces pour aller voir un spectacle puis ils ont choisi touer ou ouais. n'importe quel artiste <laughs> Merci à tout le monde de faire ça. Même moi, ça, ça me touche énormément. Fait que, ouais, beaucoup de spectacles et euh, des chansons. Puis, euh, let's go. Okay. Ben, J'ai à ça. Ben, tu sais quoi? On va parler de ça au Patreon. Okay. J'ai un petit business talk et tout que je veux aborder. So, um, ça, c'est plus euh, avec la famille. C'est beaucoup de love à tout le monde qui nous regarde. Continuez à euh, like, comment, subscribe. Mm -hmm. non, mean? Allez suivre mon boy Jay Scott sur tous les réseaux. Jay Scott89 sur YouTube. You already know how we're doing it, man. Allez check le the project. It's yeah. out right now. Stream it au maximum. Suivez nous. You know what I mean? 11 MTL, J7 Official. You know how we do it. You know what's going on, on est, right? On est au hidden showroom. Pew, pew. Big shout-out, Smoke Signals. They got us right. Big shout-out, J. Scott yeah, in man. the building. Uh -huh, uh -huh. C'est votre boy, J7. C'est votre boy, 11. And we out like that. Pow. Peace out. Pow, pow.